Je m'appelle P.A. Boili et je suis en quête de réponse. Suivez-moi à la rencontre de ce que la société tente d'effacer. Bienvenue à sombre. Plus la, la... La vulgarisation aussi. vulgarisation, oui, puis, ça, puis ça. Euh, pharmacie. Depuis 2012. Cool. Ben, Olivier Fa Bernard, pharmacien, comment ça va? <laughs> on a-tu commencé? Oh, on est sorti depuis 10 minutes, là. C'était vraiment bon à ah, mais <laughs> Ah, mais, mais, mais. pas ça dans le podcast, s'il te plaît, parce que je vais me faire tellement haïr par le monde. Pour vrai? <laughs> oh, oui, c'est. Ok, euh... pas trop. Ben, on va couper ça. Ouais, c'est ça. Coupe ça, parce que je pensais pas qu'on était enregistré. Ben, là, le monde devant la cam, vous avez manqué un de bon bout. <laughs> J'étais en train de pitcher contre du monde un peu, puis des affaires. avec. être Big Pharma, là, puis tout, là. Ça existe pour vrai, Big Pharma, si tu C'est l'industrie pharmaceutique. Ouais, c'est ça. On était en train de parler de certains bons et moins bons côtés. Puis, moi, je suis très transparent par rapport à ça. J'en parle souvent dans mes livres. J'en parle sur mon site web. J'ai fait des émissions là-dessus. J'en parle vraiment, vraiment. C'est juste que là, je nommais certaines personnes spécifiques. fait que Je vais me garder un petit schéma là-dessus. Si vous en reconnaissez, là, watch your fucking back. <laughs> Mais Merci beaucoup d'être venu. C hey, merci. Je suis vraiment content. Euh, on va commencer avec la question la plus difficile qu'il y a. Là. Ouais. Comment la pandémie t'a affecté? Comment la pandémie m'a affecté? C'est une bonne question. Puis tu peux le prendre de n'importe quel angle que tu veux. Ouais. C'est plus personnellement, euh, ben, en termes de carrière, peu Tu ben, sais, moi, en fait, je pense que. Tu moi, je suis pharmacien à la ouais. base, puis je fais aussi de la, de la, de la communication scientifique. Mm -hmm. C'est sûr que pour moi, la pandémie, mettons, sur le plan personnel, j'ai vécu ouais. ça comme tout le monde. Là, bon. Je veux dire, tu sais, c'était stressant, c'était angoissant, il euh, y a des moments où c'était difficile, euh, tu sais, on a eu des hauts et des bas, euh, ma blonde puis moi, tu sais. Mais sur le plan professionnel, ça a été vraiment fucked up, là, Je Clairement. veux dire, dans le sens où tout d'un coup, ça a été comme la tempête parfaite, là, de juste plein d'affaires qui se passent de plein de fausses informations qui étaient mm. déjà là, puis que tout d'un coup, ça a commencé à avoir des conséquences vraiment graves sur la société. Vraiment là, direct, là, en plus. Oh, vraiment direct. Puis moi, ça faisait des années en plus que j'étais dans le domaine, là, le domaine de la désinformation, de la pseudoscience. Mm. Puis là, c'est comme si, pour la première fois, là, c'était comme si, là, tout d'un coup, tout le monde qui, dans le milieu scientifique ou autre, tout le monde a pris conscience en même temps de, OK, ça existe, là, les fausses informations à ce point-là, puis ça peut tuer du monde, tu sais. Mm -hmm. Fait que moi, je pense que j'ai jamais travaillé aussi fort de ma vie pendant la pandémie, ouais? en fait. Ouais, mais vraiment, parce qu'il y avait tellement d'affaires à faire, là. C'était... C'est clair. C'était fou, là, vraiment. Mmh. Fait que... Fait que ça a été une période, euh, tu sais, euh, spéciale. Ouais? ouais. Y a il a fallu qu'il y ait du monde que tu confrontes, euh, là-dedans, ou... Pas plus que d'habitude, là, Non, c'est bon. <laughs> Pas plus que d'habitude, tu sais, mais ça a été... Euh, c'était juste... C'est ça, c'était juste une période où, tout d'un coup, il y avait, comme... Y a, y a, moi, je me... Dans un sens, ça, 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 ça va avoir l'air terrible ce que je vais dire, mais vas -y, vas -y. dans un sens, j'étais content parce qu'il y a vraiment des choses que moi et d'autres, ça faisait vraiment, là, comme je dis, ça faisait vraiment longtemps qu'on essayait de dire, hey, il y a des affaires qui vont vraiment mal, puis à un moment donné, ça va éclater. » Puis okay. on dirait que la pandémie a comme exposé finalement. C'était le coup de grâce. Euh... Oui, c'est comme si pendant des années, il y avait des gens qui cultivaient un peu la, la fausse information, puis les, 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 les fausses affaires scientifiques, puis tout ça. Puis tout d'un coup, quand ça a éclaté, je pense que dans un sens, ça va avoir l'effet positif à long terme là, que je pense qu'on va avoir appris de cette expérience-là. Okay. Donc, euh, d'ailleurs, pendant la pandémie, il y a eu une espèce d'essor, une espèce d'explosion de recherche sur justement sur la, sur la communication scientifique, sur la désinformation, comment ça, comment ça se propage, qui propage ça. Il y a eu vraiment un regain d'intérêt pour ce domaine-là, qui est mon domaine, qui moi m'intéresse. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai l'impression que sur ça, sur juste ce ce côté là, ça va avoir des répercussions que j'espère qu'ils vont être positives, tu sais. Ouais, ben c'est ça, avec au final, tu trouves vraiment du positif dans un gros, gros négatif. Là. Ben il faut, tu sais, ben, parce oui. que veux dire, si, si on fait juste regarder ça négativement, oui. ça a comme ça a fait crasher euh, ouais. du monde, ça a fait crasher des business. Moi je veux dire, je il y a tellement avant, avant la pandémie on allait dans des restaurants ma blonde puis moi qu'à un moment donné quand on a regardé ils ont fait bon mais ben, ils ont tout fermé tu sais c'est oh horrible non, ben, non mais c'est catastrophique là ce que oui, ça a vraiment. fait sur des, sur des vies sur des projets de vie je veux dire euh, c'est oui. c'est vraiment terrible il y a, un, que... monde pré, il y a un monde pré puis un monde totalement pandémie là en ce là totalement fait que moi je je pense que de temps en temps de faire ok ben peut-être là-dessus il y, as... y a des affaires oui. positives pourquoi pas mais ça en prend des gros drames pour faire des avancées des fois là en tout cas, moi, j'espère. se relever du moins, J'espère, parce que, tu sais, si, si, si tu regardes un moment je parlais à un historien qui me disait toutes les grandes crises mondiales qu'il y a eu dans les derniers siècles, à toutes les, à toutes les fois qu'il y a eu des grandes, grandes crises, quoi des guerres ou des. D'autres pandémies, là, où, la peste ou des affaires de même, les gens, dans le temps, disaient, « Hey, probablement qu'il va y avoir un avant, puis un après, puis la société va être meilleure après. Ouais. » Puis c'est jamais arrivé. <laughs> oh, <ouais. rire> ça a tout le temps été comme, « Bon, mais finalement, on revient pas mal à ce qu'on faisait avant. » Fait que, tu sais... Euh... En tout cas, je... je... Ouais, c'est dirais s... que ça fait pas longtemps <laughs> quand le monde se lave, là, de base, dans l'histoire de l'humanité, que... Oui, c'est euh, ça. Ouais, ça, exact. j'espère que... J'espère qu'on qu va avoir appris des leçons... Euh... oui positive à, ouais. après tout ça. Là. Au moins, la majorité des personnes qui en ont pris une leçon personnelle, ça, c'est important. Juste un déclic, peut-être pas sociétal, mais individuel, ça, ça peut... Oui, il ben, y a ça beaucoup de gens... Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui, qui ont dit, par exemple, euh, « Hey, euh, finalement, euh, mes priorités étaient pas à bonne place. Euh, Je j's, sais pas... Euh, j'ai pas envie de continuer sur le même beat que j'avais avant ou des choses comme mm -hmm. ça moi je trouve ça beau dans un oui. sens que des gens puissent tu sais ça a donné l'opportunité de réfléchir à ça c'est drôle parce que pendant la pandémie tu sais il y avait des théories conspirationnistes qui parlaient ouais. du big reset là qui était une sorte de, de théorie complotiste qui prétend que la pandémie c'est une f... finalement c'est une supercherie pour euh... Comme que les gouvernements mondiaux et les sociétés secrètes viennent comme euh, toutes euh, façonner la société à leur façon. Ouais. Mais dans un sens, c'est vrai qu'il y en a eu un big reset pour, des, pour les gens. Il y a des gens qui ont fait. Hey, fuck off, là, moi, là, c'est comme je mets ma vie à reset. Mm. Puis je repars sur d'autres bases. Euh, je sais pas moi je trouve je vraiment ça inspirant c'est vraiment beau puis c'est surtout le contraire de ce qui a été montré médiatiquement fait que euh, je suis ouais. super content de voir ça de même là. ouais exact ouais. pour ceux qui, ceux qui vont avoir le courage de le faire là, moi ouais. je, je trouve ça super ouais c'est ça peut-être les conspirations là-dedans en plus dans des informations pis tout ouais. ça doit être tellement de la job là mais juste du monde mmh. qui sont psychorigides par rapport à leur pensée pis qui mettent ça j'imagine t'as toujours dû genre être confronté à des gens psychorigides. Ben oui, puis en fait, c'est drôle parce que moi, depuis que. Tu sais, moi, je fais de la, de la vulgarisation scientifique depuis oui. 2012. Okay. Puis, tu sais, moi, moi, ce qui m'intéresse à la base, là, de, depuis toujours, c'est les mythes en santé, c'est les fausses informations, les fausses mmh. croyances. Puis souvent, il y a un fond un peu complotiste en dessous de tout ça. Là, parce que je vais donner, ouais. un, je vais te donner un exemple, tu sais. Euh, tout ce qui est la santé un peu naturelle, holistique, tu sais, genre. La naturopathie, me... tout Ouais, ça, des ouais. choses comme ça. Bien, il y a un fond conspirationniste en dessous de ça parce que ce que ces gens-là disent, au-delà de dire euh, il faut prendre soin des gens, puis les écouter, puis avoir de l'empathie, puis tu sais, tout, tout ce qui est des, des bonnes affaires, il y a aussi un fond là-dedans qui est. Ton médecin, en fait, en réalité, c'est un peu un incompétent, tu sais, parce qu'il ne sait pas toutes les choses que nous, on sait. Ouais. Puis il euh, y a des choses qu'il ne te dit pas. Peut-être qu'il est un peu vendu à, justement aux compagnies pharmaceutiques, puis mmh. tout ça. Donc, tu devrais m'écouter moi, tu sais. Mais ça, c'est un peu un complot, là. Parce mais que tu es, es en train de dire que la totalité de l'industrie, de, pas de l'industrie, mais que la totalité de la communauté scientifique médicale est pas vraiment est pas vraiment crédible et compétente, puis peut-être même malhonnête. Ouais. c'est ça, tu rallies du monde à ta cause pour liguer le monde contre une institution, là. Oui, exact. Puis c'est une industrie, là, le bien-être, puis la santé naturelle. Fait que moi, ça faisait des années, en fait, que je m'intéressais à ça, mais sans vraiment réaliser que c'était ça, t'sais. pour moi, c'était juste, il ben, y a des fausses croyances, puis les... il oui. faut les combattre, ou il faut donner la bonne information, il faut aider les gens à développer un esprit critique. Moi, c'était comme ça que je le voyais. Mais, tu sais, aujourd'hui, c'est juste que maintenant, ça a plus pris forme, pis maintenant, on voit que, OK, maintenant, il y a des il y a vraiment du conspirationnisme très actif. Ouais. Ouvert, en plus. Ouais, avant, c'était plus quelque chose de caché, tu sais, ça existait, mais c'était moins mainstream, on va dire. Ouais. Tandis que maintenant, c'est vraiment mainstream. Il y a des mmh. gens qui se cachent plus de ça. Non, ça, il y a une division claire dans la population, en quelque sorte. Ben, c'est plus socialement accepté. Ouais. Puis ça a été politisé. Tu si sais, tu regardes aux États-Unis maintenant, as le Parti républicain est un parti qui adhère ouvertement à beaucoup de théories... Euh, Conspirationniste. Conspirationnistes. Conspirationnistes. Il n'y a même plus de honte là-dedans. Mm -hmm. Fait que moi, je pense que c'est maintenant un phénomène qui va être juste beaucoup plus présent, en fait. Là. Ça va être... Euh, je pense que ça va faire partie de nos vies ouais. maintenant, là, à partir de maintenant. Non, puis est-ce que tu penses que la vulgarisation, c'est vraiment un, euh, un enjeu clé, genre, pour, euh, par rapport à, à ce qui se passe en ce moment, tout ça Là, on, peut, on servirait plus politique là, que médical, mais. Ouais, ben, Ça va avoir l'air bizarre ce que je vais dire. Parce que c'est parce que ça que je fais de ma vie. Oui, dans la ça. vulgarisation. T'sais. Je pense que oui, oui c'est clé, définitivement. Oui. Mais c'est absolument pas euh, suffisant. Oui. Parce je... que du moins, ça le démocratise, je pense. Oui, ben, tu sais, ça en prend. T'sais, en fait, là, je, je vais te donner un exemple, tu moi, là, je pourrais passer ma vie au complet à faire de la vulgarisation, mm -hmm. à dire aux gens, euh, voici, euh, voici ce qui est faux, voici pourquoi c'est faux, puis euh, voici comment développer des outils pour euh, t'sais, euh, mieux reconnaître la bullshit, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est tellement fort, la désinformation, tu sais, mm -hmm. il y a beaucoup de gens qui réalisent pas ça, là, mais il y a des... C'est organisé maintenant. Là. Je veux dire, tu sais, ouais. le, tu sais la désinformation, c'est pas du monde chez eux qui propage des fausses informations. Là. Non, non, non. C'est des, des groupes bien organisés et bien financés mm -hmm. OK, qui ont souvent une influence politique là, réelle là, tu sais, euh, qui sont bien organisés puis qui font quelque chose de très structuré. Là. Mais comment tu veux lutter contre ça comme vulgarisateur? Moi, je peux pas lutter contre l'industrie qui fait des millions de dollars. Ouais. À propager de la fausse information, je, je, je veux dire, je une goutte d'eau dans l'océan. Ben, c'est ça. fait que c'est définitivement une partie de ce qu'il faut faire, mais c'est pas suffisant en soi. Là. Ça, ça, ça prend bien plus que ça. Ben oui, c'est ça. Il faut briser une institution en tant que telle, puis ça, ça prend plus qu'un individu pour le faire. Que... Oui, ça prend des... Moi, je suis pas monsieur, mettons, des lois sur tout, là, mais ouais. ça en prend, là, dans le sens... Euh, ça prend de la réglementation pour... Pour punir les compagnies qui, qui font de la désinformation leur mmh. modèle d'affaires. Puis malheureusement, les réseaux sociaux sont une grosse partie de ça. Là, je veux dire, mmh. euh, les réseaux sociaux vivent de la désinformation. C'est une des choses qui leur génère le plus d'engagement, de, de revenus, mmh. etc. Ce que je, je trouve fou de la désinformation, c'est que c'est rarement un mensonge clair. Genre, que cette vérité-là est fausse. C'est vraiment. C'est du wording, puis c'est des réalités vrai. cachées plus que vraiment un full-on mensonge. C'est tellement ça, vrai. Ça, c'est tellement pernicieux, je trouve. C'est tellement vrai ce que tu dis, puis c'est rare qu'on le présente comme ça, mais, mais, mais c'est vrai. Puis moi, je me suis toujours fait un devoir de dire. Parce que la pire, la pire affaire que tu peux faire là, quand mm. tu veux briser certaines idées, oui. ouais, etc., c'est d'arriver de faire Hey, ce que tu crois là, là ben, c'est faux, OK? Mm. Puis la vraie réponse, c'est ça. T'sais, ça, là, ça marche pas. Ok, <laughs> ça marche pas de faire ça. Ben, c'est parce que tu confrontes le monde dans le vidéo, puis ils veulent se défendre. Totalement, totalement. Ça, ça c'est pas juste mon opinion. Là, la recherche démontre mm -hmm. que ce type d'approche-là, très euh, en confrontation, ça marche pas. Fait que. Il faut, moi, une des choses, puis moi j'enseigne, je donne de la formation continue aux professionnels de la santé sur okay. comment faire face à une personne qui a des fausses croyances sur la santé mm -hmm. ou des choses comme ça. Puis dans les modèles, ça. Là, ouais ben, ça n'en prend parce qu'honnêtement, les... on n'est pas outillé pour ça. Là, euh, vraiment? On sort d'université l'université, puis tout d'un coup, on, on a tout notre beau bagage oui. de connaissances, puis là, on est comme « Ah, oh, je sais plein de choses sur la santé, mm -hmm. puis tout ça. » Puis là, tu arrives face à quelqu'un qui est comme « Ouais, moi, je crois pas vraiment à ce que tu me dis. » Euh, la majorité des, des gens dans le domaine de la santé sont complètement dépourvus face à ça. Dans le milieu de la santé, c'est ça parce que tu gères des situations vraiment comme plus scientifiques, puis poussées, puis sais, je ne sais pas à quel point le monde est formé sur les relations sociales puis le one on one puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant ouais. que y ait ce cours-là qui est donné. Oui, ben, ils sont, for ouais. sont formés sur des, des techniques de communication qui sont tout à fait pertinentes. Ouais. Mais ils sont pas nécessairement formés sur des situations vraiment difficiles où quelqu'un arrive en disant, ouais, tu sais, tel médicament, moi je le sais que c'est pas bon, puis là t'es comme shit. Ça, ils sont pas formés pour ça. Fait que moi, je le vois quand je donne des formations, là. ils sont mmh. vraiment dépourvus. Puis je dis euh, Avez-vous des exemples de situations plus comme tout le monde lève la main, ben oui, of <laughs> puis là ils sont comme comme telle affaire, telle affaire, là ils sont comme oui, oui, oui ça m'arrive, ces choses-là. C'était vraiment un vrai problème, tu sais. Puis dans les techniques que j'enseigne, je, que je, que qui sont vraiment basées sur Il y a eu de la recherche là-dessus, c'est Premièrement, il faut pas tu dis jamais à une personne ce que tu crois c'est faux. Là. Non, il faut que tu il faut que tu trouves, puis ça va faire le lien avec ce que tu dis, c'est que premièrement il faut tout le temps que tu trouves un fond de vérité. Hmm. il y a tout un fond de vérité c'est jamais ben, c'est rarement... part la terre est plate c'est pas mal faux là, mais c'est euh... la fameuse technique de <laughs> débat de il y a une partie de ce que tu dis c'est vrai mais en revanche ça, ouais. ça? Okay. oui exact c'est qu'il faut que tu trouves il faut que tu sois capable de trouver un certain terrain commun avec la personne okay. fait que ça passe par donner de l'écoute premièrement de pas pas euh, juste parler par dessus la personne sa défensive oui ouais. de poser des questions pour préciser ce que la personne veut vraiment dire parce que souvent il y a beaucoup de désaccords qui viennent de on, on, on parle pas de la même chose ou on ne comprend ça. pas la même chose. Fait poser des questions, donner de l'empathie aussi, de dire à une personne, tu sais, en ce moment, je le vois que ça te préoccupe ou je le vois que ça t'inquiète, ce sujet-là, puis tu sais, c'est normal, puis c'est même, tu sais, c'est légitime. T'sais. Ça, c'est rare qu'on se fait dire ça dans le système de santé. Puis hey, yeah. après, c'est de trouver un fond, un fond de vérité pour que la personne, à fasse, bon, la personne que j'ai devant moi, le, la pharmacienne ou le médecin ou le nutritionniste, whatever, euh, c'est pas, euh, pas une personne fermée d'esprit, c'est pas quelqu'un qui me prend de haut. Tu ou... sais, là, si mmh. tu fais ça, es dans une vraie conversation. Puis là, après, la personne est bien plus ouverte à avoir une discussion. Elle va peut-être être intéressée à ce que mmh. t'as à lui offrir. Ouais. Fait que c'est vraiment basic. Mmh. C'est vraiment. Tu sais, ça a l'air niaiseux. Quand je l'enseigne, je le dis aux gens, je dis je sais que ça a l'air cave ce que je dis là, puis ça a l'air de la base mais on ne le fait pas souvent, tu sais. Il mm. y en a qui le font naturellement, mais il y en a plein qui le font pas, puis qui font juste, ouais, euh, tu sais, mettons, les gens arrivent avec une inquiétude, genre, ouais, j'ai lu dans tel dans journal que tel traitement, c'est pas bon, tout ça, puis les gens font, ouais, non, c'est pas vrai, ça, fait qu'on va passer à autre chose. Puis à la limite, ça fait juste renforcer plus leur... Ça fait juste renforcer, ouais. en effet, parce que tu fais, écoute donc, il est donc bien boqué, lui, ou est donc mm. ben comme... Elle est donc arrogante, elle. Puis là, mais tu vas comme te... Dans certains cas, ça peut même renforcer la croyance de mm -hmm. la personne. Fait que faut vraiment qu'on change. En fait, il faut qu'on change complètement le modèle de communication en, ouais. en sciences puis en santé, parce que visiblement, ça, on ne peut plus opérer comme on opérait avant. Je veux dire mm -hmm. non. C'est. je suis 100% d'accord. Let's go. C'est quoi <laughs> en ce moment le plus gros ennemi? Je pense à Je sais pas comment je voulais phraser ça, mais c'est quoi qui, qui est le plus gros ennemi de la, de la santé au Québec en ce moment? C'est quoi le, le plus gros cheval de bataille selon toi? Le plus gros ennemi de la santé? Mais pas le, Ben j'ai dit ennemi, on dirait. J'essaie vraiment de, de faire en sorte qu'on ouais. se confronte envers quelque chose, là, mais c'est pas ça mon but, c'est juste c'est quoi en ce moment le plus gros enjeu au Québec qu'il y aurait au niveau de la santé? Au niveau de la santé, ouais. hey, écoute, il y en a plusieurs. Il okay. y en a vraiment plusieurs. Au niveau de la santé spécifiquement, parce que la santé et la science, pour moi, il y a des enjeux un peu différents. Ouais. Mais, euh, mais Ça peut être intéressant, les deux, en fait. Oui, ouais, bien, au niveau de la santé, il y, y a des affaires... Écoute, je pourrais te nommer des affaires vraiment plates. Ouais. Comme exemple, notre le... système de santé a besoin, de plein de problèmes qu'il faut hum. régler euh, le plus rapidement possible. Puis ça fait des années qu'on essaie, puis c'est vraiment difficile. Ça ouais. fait que ça, c'est un problème. Ça, cest plus à la faute du gouvernement libéral ou de la cigarette c'est de la faute, tu sais, c'est ouais. comme... Y a tel, on pourrait mettre ça sur la faute de plein de gens 500%. ou de plein d'affaires, mais tu sais, ouais. c'est ça. Ouais. Tu sais, ben tu sais, aussi, t'as raison, tu sais, moi, c'est un de mes, mes chevals de bataille, c'est ça. C'est justement comme, tu sais, on, on met pas beaucoup d'accent sur, sur la prévention, là, ouais. On essaie, là, toutes les bonnes intentions sont là, mm -hmm. mais de façon pratico-pratique, tu sais, on, on met pas assez d'efforts là-dessus sur... Euh, J'ai l'impression les... qu'à part une affiche, mettons, dans une école secondaire, il y a pas grand-chose, là ben il y en a des choses qui se font, il y a plein de choses qui se font, mais encore une fois, tu sais, moi je c'est pas assez. C'est vraiment ça la réalité, tu sais. Je veux dire, moi je crois fondamentalement que quand tu vas voir un professionnel de la santé, la discussion au départ, ça devrait être une discussion autour des habitudes de vie, tu sais, du genre Hey, parle-moi de ta vie. OK, cool. C'est à l'heure de quoi ta vie? C'est quoi ton beat? T'es-tu stressé? dors-tu bien? OK, bon... Ton alimentation, tu as, as, as des difficultés, ça va-tu bien? Tu fais-tu de l'activité physique? sais, honnêtement, je, je sais que c'est plate, là, mais honnêtement, si on était capable d'avoir ces échanges-là, euh, on réglerait tellement de problèmes. Puis on préviendrait probablement des chirurgies, de la médication, des coûts, je veux dire, on préviendrait plein de ouais. problèmes, t'sais. Fait que ça revient. Ça revient un peu à une espèce d'incapacité. Pas une incapacité, mais un flag un fragment. Je vais te dire, mais France. Un flagrant manque de communication. Euh, des fois. Ouais. Des fois. Puis encore une fois, ça vient pas d'un manque de, de, de bonnes intentions, de bonne volonté. Mm -hmm. C'est vraiment juste que c'est dur d'opérer des changements majeurs sur n'importe quoi, sans doute. Là, oui, c'est ça. Puis, puis sûr. la pratique médicale et pharmaceutique, il n'y échappe pas. Je veux dire, euh, Moi, c'est ça quand je dis. Quand je donne des conseils aux gens, justement, sur. Euh, sur des techniques de communication, des choses comme ça, euh, ils me le disent tout de suite, là, ils me le disent ouais, moi, ma job, j'ai déjà comme de la misère à trouver 15 minutes pour manger le midi. Fait, comment je vais ouais. faire pour intégrer ça en plus? Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'enjeux à travers ça. Là, fait que ça, c'est ça, c'est normal. Là. ouais Puis au niveau de la science, ben, ça dépend. Au niveau de la science, il y a plein de problèmes, tu c'est un peu ce qu'on disait tantôt aujourd'hui, c'est qu'on est juste dans une... Dans une sorte d'époque où les gens sont plus capables de faire la différence entre c'est quoi de la bonne information puis de la mauvaise information, c'est quoi une source d'information crédible puis pas crédible. T'sais, on a vu apparaître plein de, de médias alternatifs aujourd'hui ouais. que, honnêtement, pour la pour, le, pour la plupart des gens, qu'est-ce qu qui fait que ça c'est valide ou que ça c'est pas valide à qui je dois accorder ma confiance ou... C'est vraiment un peu freakant, honnêtement. Visiblement, oui. Ouais. C'est rough, mais on dirait que média alternatif, déjà, c'est tagué fausses informations, mais je me doute qu'il doit en avoir là-dedans qui ont des bonnes volontés aussi. Mais, tu... mais, mais pas nécessairement en même temps, parce que mm -hmm. regarde-moi, dans un sens, mettons que je ouais. veux euh, comme euh, être euh, accorder quelque chose à ça. Euh, moi, quand j'ai parti le pharmacien ma chien, mm -hmm. je dire que je suis une sorte de média mm -hmm. alternatif. Là. Je veux Bien dire, c'est oui. un blog, là. T'es un média alternatif, t'sais. Moi, j'ai starté, écoute. Moi, j'ai starté mon blog. Ça faisait une couple d'années que j'étais pharmacien. J'avais des idées. J'avais le goût d'essayer quelque chose de différent. Ça me tentait. J'avais le goût de faire de la bande dessinée, même si je ne savais pas dessiner. J'ai tout fait mes affaires comme je pensais. Okay. J'ai fait ça autodidacte. Puis, j'aurais pu partir et dire un paquet de niaiseries. Là, je veux dire, ça ouais. j'aurais pu. là mm -hmm. euh, Heureusement, c'est pas arrivé. En tout cas... Ben, je pense pas là. pas trop non. avec plus de quelques erreurs sans non, doute en cours de non personne intègre quand même overall, et qui a une, de la bonne volonté je pense avoir fait un job quand même correct t'sais. mais dans un sens j'étais un peu un média alternatif tu il y a des gens il y a des gens qui me suivaient puis probablement que c'était comme ah ben ma source d'information sur la santé c'est le pharmacien là ça j'aime bien ouais. ça lui ce qu'il fait puis tout fait que ça ça vient avec une certaine en tout cas moi personnellement dans mon parcours là, à un moment donné ça m'a un peu fait peur ça ouais. Ouais. la pression d'être vraiment la source d'information du monde ou... ben plus tu sais, je vais donner un exemple. Mettons, des fois, des gens me disaient... Euh, puis les gens disent ça avec une grande gentillesse, là. Ça se veut vraiment comme un compliment, mais genre, ah, moi, si, si tu le dis, c'est vrai, tu sais. Puis moi, je suis comme, non. Non, <laughs> c'est pas ça, le message à retenir. Il faut hein. diversifier les sources dans la vie. Il faut diversifier les ah, sources, ouais. puis aussi, il faut être capable de développer plus une capacité à être capable toi-même d'analyser qu'est-ce qu'il y qu qui a de l'allure, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas d'allure. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive si moi, mettons, mettons la personne, elle, elle se base sur, sur ce que je dis, tu sais, mm -hmm. là, à un moment donné, elle se pose une question sur un sujet, j'en ai jamais parlé, fait que là, elle va lire un autre blog d'un autre pharmacien ou d'un ouais. autre je ne sais pas, whatever, puis lui, ça donne que c'est un coucou qui dit n'importe quoi, tu sais, puis il mm -hmm. y en a, là, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, ouais. euh, partout dans le monde, là, je veux dire, on a vu, là, des scientifiques... Euh, des, des affaires bizarres. Oui. Mais là, la personne est comme Ah, ben là, lui, lui aussi, il est crédible, il a un diplôme sur son mur, puis tout ça, puis ouais. de se faire avoir. Mm -hmm. Fait que c'est dangereux de mettre trop de confiance dans une personne. Fait que moi, je dis aux gens Non, 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 Check. prenez pas, dites-moi pas que ce que je dis, c'est vrai. Mm -hmm. J'aimerais mieux que vous me disiez Ben, ce que tu me dis, ça m'interpelle, je sois bien intéressant. Puis je vais prendre ça en considération dans l'ensemble de ma prise de décision. Ce qui même bizarre dans un sens de dire aux gens faites-moi ben, pas trop confiance C'est possiblement plus sain. Là. Ben moi j'aime mieux ça. Mm. Je trouve que ça va être plus payant que les gens fassent ça plutôt que de dire Ben, ça, c'est vrai, puis ça, c'est faux. Parce que c'est ça, Je veux dire, moi, je regarde, Aux États-Unis, au, 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 au Canada au Québec, c'est un moins grand problème parce que okay. c'est plus... On est plus sévère sur les gens qui font ça, mais aux États-Unis, je veux dire, tu des médecins qui sont purement anti-vaccins, euh, qui sont ouais. totalement anti-science. Tu as, là, puis ils se font pas réprimander. Là, est... Parce que c'est un peu le ça. Far West aux États-Unis. Fait, ouais. fait que là, qu'est-ce que tu fais après ça? Là? Les... Moi, il y a des gens qui me disent ça, qui me disent Moi, j'écoute un podcast d'un médecin, puis euh, c'est un médecin il est fiable. Puis là, je regarde le podcast, je suis comme Ok, c'est de la bullshit ce qu'il dit, c'est complètement n'importe quoi. Mais là, comment tu ça à la personne? Ouais. C'est un médecin. Fait que là, t'es mal pris, Vraiment. Fait que c'est pour ça que moi j'ai un malaise quand les gens vont comme utiliser un peu ce qu'on appelle des arguments d'autorité, là. Telle personne le dit, donc c'est vrai, mais je veux comme non. Ouais, je veux pas de ça. Non, c'est clairement. Est-ce que dans le pharmacien puis tout ce qui englobe, parce que là, à c'est plus juste un blog, c'est rendu tu t'as beaucoup diversifié tes sources. Ben pas tes sources, mais tes médias, tes moyens de communication. Est-ce que T'as de la difficulté dans ta vie de dissocier le pharmacien de Olivier Bernard ou ça reste une seule même et grande personne. Ben c'est une bonne question. Moi en fait ce que j'ai toujours essayé de faire, mm -hmm. c'est de mettre le, vraiment beaucoup de moi-même, tu oui. de ma vie dans ce que je fais. Puis ça on le voit le même, c'est drôle parce que récemment je je repassais, je repassais des vieilles bandes dessinées que j'ai publiées en genre. Fin 2012, début 2013. Okay. Puis j'ai tout le temps beaucoup basé ce que j'ai fait sur des anecdotes. Okay. Tu sais, comme, je pense que c'était, je pense, oui, fin 2012, j'ai commencé en 2012, là, ouais. okay? Genre en septembre 2012. Puis en décembre 2012, je publiais, une, je publiais une BD sur comment fonctionne une urgence mm -hmm. euh, à l'hôpital. Puis c'était basé sur une fois où c'était basé sur le fait que je venais d'aller à l'urgence parce que j'avais comme une diarrhée explosée, je m'excuse pour les gens qui écoutent mais j'avais vraiment comme des problèmes gastro-intestinaux majeurs, okay. j'étais en déshydratation sévère, je me suis retrouvé à l'urgence, plug est sur des solutés. Puis là, j'ai comme catché des affaires que j'avais jamais catché. Vous moi pourquoi sur comment une urgence fonctionne Mais j'ai fait une bd là-dessus. Fait que j'ai tout le temps fait ça, tu sais. Mm -hmm. Donc j'ai tout le temps parti de moi-même puis j'ai utilisé ça comme un véhicule pour faire de la vulgarisation. Puis pourquoi je fais, pis je, fais, je fais la même chose t'sais, dans mon podcast euh, Dérive, je parle oui. beaucoup de ma vie, je parle avec ma blonde à un moment donné, euh, je raconte des trucs super personnels. J je pense que c'est important de faire ça parce que, en, encore là, t'sais, les gens en ce moment sont un peu dans une situation où ils savent pas à qui accorder leur mm -hmm. confiance. Puis moi, je trouve que de, livrer, de se livrer de soi, ça montre la personne derrière, le pharmacien, ou, ouais. etc. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne façon de... de, de, de de, 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 de montrer aux gens que es digne de confiance, d'essayer oui. de, de, de te livrer un peu à travers ça. Là. Mm -hmm. Fait que j'ai toujours fait ça. et là tu deviens une figure visiblement plus attachante. Ou si. C'est une bonne façon de rejoindre. Ouais. Fait que fait que j'ai tout le temps essayé de faire ça. Après, ben, tu sais, c'est ça. C est, c est, c est, je veux dire, il y a probablement des situations où ça serait pas approprié, où ça serait too much, ou... Ou, tu sais... C'est ça. Il n'y a pas, y a pas de, de ligne directrice claire pour moi, là, à part de... Moi, pour moi, je trouve que c'est un, un bon... Euh, c'est un bon moyen de faire de la communication pour moi. Oui. Puis dans ta vie personnelle, ça se reflète-tu aussi? Est-ce que, genre, ça reste que, genre, ah. le, le, le Olivier Bernard pharmacien professionnel se retrouve dans ta vie personnelle? Ou? Ah, c'est une bonne question. Ouais. ben en fait, c'est drôle parce que, tu sais, mettons, au début, quand j'ai commencé le pharmacien les premières années, mm -hmm. j'avais un humour très sarcastique, très baveux, ouais. qui, qui est vraiment un genre d'humour qui me plaît, mm -hmm. tu sais, puis qui m'intéresse, puis moi c'est mon genre d'humour, mais je suis pas de même dans la vie, tu Fait que parce que moi je suis pas quelqu'un de baveux là, je pense que c'est une chose où, des fois il y a des il y a des gens exemple mettons au début quand je faisais ça qui pensaient que qui, 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 qui m'aimaient pas ou qui pensaient que j'étais quelqu'un de bien de ben baveux dans la vie. Moi je suis vraiment pas de même, mais moi je l'ai utilisé parce que c'est un genre d'humour qui m'interpelle puis qui me plaît, ouais. puis je me disais ah oh, quelle bonne façon de d'aller comme faire le monde, puis que ça soit divertissant en plus d'être informatif ah, là, dans un sens. T'sais. Mais euh, puis au fil des années, j'ai quasiment abandonné, euh, en tout cas peut-être pas à 100%, mais j'ai vraiment abandonné cette partie-là de mon travail parce qu'à un moment donné, je me disais, ben, ouais, là finalement... Euh, il y a du monde que ça rebute. Fait que moi, mon ouais. but, c'est pas de rebuter du monde. Mon but, c'est d'aller chercher des gens que, justement, il y, y aurait peut-être intérêt à avoir cette information-là, ouais. tu qui veulent apprendre, finalement, qui veulent pas se faire « bitcher », Exactement. Mm -hmm. Fait que maintenant, à la limite, dans un sens, ça a l'air bizarre, mais aujourd'hui, la façon que, je, que le ton que j'utilise est beaucoup plus proche de ce que la personne que je suis vraiment, okay. tu sais. Euh... C'est intéressant, ça. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très gêné, je suis quelqu'un d'assez réservé, je suis très introverti, euh, je suis loin d'être quelqu'un de baveux, là, vraiment okay. loin d'être baveux. Là. Ouais. Fait que, euh, fait que, fait que c'est ça, c'est un peu bizarre. Fait que c'est euh, drôle, mais c'est vraiment drôle de voir la dualité vous rend personnage et individu. Là, ouais. C'était ouais. pas volontaire, t'sais. Moi, j'ai jamais voulu jouer un personnage. Au contraire, je mm. me suis toujours dit Ah, je vais être vraiment moi-même ouais. Mais on dirait que je pense que le pharmacie m'a permis peut-être mm. des fois de, de justement utiliser des côtés de moi qui étaient moins que je peux moins utiliser dans la vie. Ou, ouais ça, peut-être des fois aussi quand on commence, on se donne un front un peu plus stoïque parce qu'on veut que ça marche dans ta et puis on veut pas que ça soit vu à l'échec fait qu'on essaye de justement se montrer comme. Peut-être. Impénétrable, je sais pas. Peut-être. Ouais. C'est un peu comme. c'est ai comme le le pharmacien. Non, bizarre, mais. mais... mais, mais je vais <laughs> te faire une analogie. Ouais. Toi, t'es es, es humoriste, ouais. dans le fond bon. Puis tu sais. Je, je, je connais rien à l'humour dans bien un bien sens, euh, je, comme professionnellement. Mais tu sais, moi, au début, quand je commençais à faire mes affaires, c'était bien important pour moi de puncher. Ouais. Puis au fil des années, maintenant, je me dis, ben. C'est comme moins important, tu sais. Mm -hmm. Puis des fois, c'est drôle parce que tu as des humoristes que quand tu suis leur carrière, ils ont un peu la même genre d'affaires. Tu au début, comme quand, quand, ils, quand ils commencent, tu sais, ils font des affaires que c'est très euh, joke, punchline, etc., puis à un moment donné, ils tombent dans, dans, dans un autre mode. Mm. Qui se livre plus, finalement. Oui, exact. Ouais. Alors qu'au début, ils étaient comme « je n'étais pas rendu là, puis là, maintenant, je le suis. » Fait que je sais pas, tu sais, on dirait que... ouais non, ça suit pas mal la même courbe, oui. Ben, je pense que c'est une courbe qui est naturelle dans probablement Bien les affaires. Là. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est ça aussi, c'est que dans les débuts, tu de hook ton public le plus possible en étant vraiment en mode performance pour qu'après ça, mm -hmm. tu ton fanbase qui puisse te suivre, whatever tu fais. Là. Ouais, c'est un peu terrifiant dit de même en plus encore une fois, là, ça sonne très sec là, mais ben moi ouais. c'est vrai, moi c'était vraiment que je voulais juste intéresser le monde à un sujet qu'en général ça les intéresse pas, tu sais. Ouais. Parce que tu sais la santé c'est fucking plate là comme sujet là à base là, je veux dire euh... ben non mais c'est vrai là, je veux dire mais pas, euh... Moi honnêtement mes meilleurs à mon secondaire c'est les cours de bio secondaire 3. Tu ça hey, c'est drôle, mais ben, j'avais un prof il était vraiment bébête aussi là, faut le dire. Ah peut-être. Oh, ouais ouais. chanceux. Ouais. Mais on, est, on analyse des schémas mettons pour chaque organe il y a une anecdote dessus Je comment ils ont qu'est-ce que t'as vécu <laughs> <laughs> c'est juste plein d'affaires dans le même moi j'ai vraiment trippé les affaires dans même puis j'en ai ah, appris mais énormément cool. mais comme je sais pas euh, Je suis surpris que quand même genre, ça soit si peu intéressant j'ai reçu Charles ouais. Bauchange, dans, dans un de premiers épisodes ouais. ici, ouais. qui lui a eu un podcast sur l'histoire, ouais. euh, des premiers moments d'histoire. Puis justement, au début, j'avais dit, tu moi, je ne suis pas un fan d'histoire, mm -hmm. mais comme je trouvais ça super intéressant, puis il m'a dit, tu il n'y a pas nécessairement de fans d'histoire, mais il n'y a pas aussi du monde qui haïsse l'histoire. Ce pas un sujet de même, c'est un sujet de tous les jours, de la vie en général. Mm -hmm. Il n'y a pas, pas d'affaire à trouver ça intéressant ou pas intéressant, il y a des affaires de se renseigner ou pas se renseigner. Je pense ouais. que c'est un peu la même chose en santé en tant que tel. Probablement, mais ouais. je pense quand même qu'il y a un parallèle à faire dans le sens où il y a, il y a, il y a définitivement des gens dans la vie qui, font, qui vont dire oh moi, là, la science, ces affaires-là, le... ouais, pas, mon, pas mon affaire. Mm -hmm. Ou qui vont dire Ah, oh, moi, les affaires historiques, pas mon affaire. T'sais. Fait que dans des sujets comme ouais. ça, euh, il faut que tu trouves une twist puis un angle oui. qui va aller accrocher, tu sais. C'est ça, plus logique, plus cartésien, plus créatif, c'est ouais. Tu ouais. sais comme moi j'écoute un podcast qui s'appelle euh, Hardcore History. Okay. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, ben ça me dit de quoi. C'est un podcast à... américain en fait de vulgarisation historique. Le gars, c'est pas un historien, il vulgarise ce que des historiens ouais. disent, pis etc. etc puis écoute, c'est fou parce que ce podcast là là, c'est genre mettons euh, Manny il va faire euh... Il va faire, euh, bon, euh, là, le, mon sujet, ça va être, euh, mettons, euh, euh, Gengis Khan, mm -hmm. puis euh, les armées mongoles, puis toute la, 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 la disons, le, le, la montée et le déclin de, des armées mongoles, tu sais. Ça dure pendant, je pense, huit épisodes de trois heures chaque. Ah, okay. Tu sais, c'est comme, genre, 20 heures de contenu, là, OK? Fait que ça, le hardcore, c'est la durée ou il y a autre chose? Oui, exact, okay. exact. Puis là, tu te dis, OK, fait qu'il faut vraiment être un tripeux d'histoire pour écouter ça. Mais ben Colin, non. OK. Parce que le gars, il y a une twist, il y a une façon, puis je pourrais pas te l'expliquer, là, mm -hmm. mais il y a une façon de raconter les affaires puis de te faire entrer, là, que c'est quasiment comme... Puis j'ai jamais pris d'hallucinogène de, 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 dans ma vie, puis de psychédélique, là. OK. Mais je suis sûr que c'est un peu le même genre, là, dans le sens où écoutes ce gars-là, puis à un moment donné, tu tombes dans une transe, puis là, là, tout d'un coup, t'es genre dans la guerre de Genghis Khan, tu sais. Puis là, okay. là d'un coup, t'es tu te rends compte que ça fait quatre heures que t'écoutes. Oui, c'est un excellent raconteur, finalement. C'est un raconteur extraordinaire. Puis pourtant, c'est juste lui qui parle. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effet sonore. C'est juste lui qui parle. Ah, J'ai les sais meilleurs genres de vidéos, ça. Je sais pas comment il fait. Sincèrement, ouais. je sais pas comment il fait. Puis je peux pas expliquer mon propre intérêt pour ce podcast-là, <laughs> okay. incapable. En ce moment, je suis en train d'écouter un, 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 gros, un gros affaire qu'il a fait sur la... Justement, l'Empire romain, puis tout ça. Puis je suis encore pas capable d'expliquer. <laughs> fait je pense que la science c'est un peu pareil. C'est ouais. comme si on a l'impression que la science c'est compliqué, c'est difficile, mmh. ça peut être plate. Fait qu'il faut trouver des moyens de rendre ça intéressant. On sort par où l'aborder en premier genre. Ouais. Puis moi ça a tout le temps été ça mon, moi ma façon à moi ça a tout le temps été, c'est quoi le bon angle t'sais? comme le sujet. Tu sais des fois les gens me disent, Jamais ça tu parles de tel sujet puis je suis comme, moi mais moi c'est pas de même que je fonctionne. Moi c'est, moi c'est l'important c'est l'angle. Ok. Comme mettons on parle des antibiotiques. Euh, je vais peut-être en parler dans les prochaines années si je trouve le bon angle. Ouais. Puis là, à un moment donné, comme je fais, Amen, ah, je vais faire un parallèle, je vais raconter une histoire, je vais faire une BD sur des super-héros qui combattent un espèce de super-vilain euh, qui est comme, genre, immunisé contre telle affaire, que c'est tout le temps ça que les super-héros ont utilisé. Puis là, je vais faire un parallèle avec la résistance aux antibiotiques. Moi, c'est ça qui m'allume. Okay. Versus... Si tu me dis parle de tel sujet, je vais être comme euh, je sais pas ouais oh, c'est ça. Parce que tant qu'affaire va sur Wikipédia, genre ou quoi de même. Oui. Mm -hmm. Puis moi, j'en consomme. Je veux dire, moi j'en consomme. Là. Je consomme moi-même de la vulgarisation scientifique très sérieuse. Là, je veux Mais dire, oui. je suis tout le temps en train de lire là-dessus. Mais on dirait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est plus. Je vais essayer de trouver un, un, angle, un angle ou une « twist qui mm -hmm. va aller peut-être chercher la personne qu'elle elle s'en fout de ce sujet-là, tu sais. OK. C'est comme ça, moi, mon, mon, ce qui me fait triper puis qui me motive, ouais. c'est ça, tu sais. Genre, cette personne-là... C'est de partager ta passion, finalement. Ben de partager ma passion, mais moi, exemple, quelqu'un qui me dit, « Hey, j'aurais jamais pensé que ça m'intéresserait, ce sujet-là, mm -hmm. mais ça m'a intéressé quand t'en as parlé. » Moi, je suis comme, « Man, pour moi, ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. » Ouais, vraiment, wow. Ouais. Fait que c'est un peu comme le hardcore history, là. Ouais. C'est comme... Moi, si je le rencontrais, ce double là je dirais Man, j'aurais jamais pensé que j'écouterais 20 heures sur Genghis Khan. T'sais? <laughs> ouais. Puis je suis sûr qu'il dirait Ah, Merci. There you go. <laughs> c est, c est <laughs> ça. Malade. On a parlé de podcast beaucoup, justement. Fait que ouais. ça, me, ça tombe qu'on va jaser dérive, justement. Mm -hmm. Quel bon podcast. Ouais, merci. Justement, justement, je pense que ça, ça fait un beau parallèle avec Hardcore uh, Story aussi de voir j'ai écouté autant d'heures sur La You Ouais, c'est ça, c'est fucké ouais. puis écoute, c'est drôle, je vais faire je vais dire de quoi puis en fait, je, 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 peut-être que j'ai pas le droit de dire ça là, mais même moi, là, même moi même moi, Radio Canada était un peu sceptique au début quand je, quand je, quand je leur ai proposé, le quand je leur ai proposé le sujet, ils ont fait ah, on adore ça, on adore ça. Mais après quand je leur ai dit je veux faire 8 9 épisodes de 45 minutes, ils ont fait ouh wow ouais euh, c'est l'O.D. Un peu, là, euh, le monde, ils vont-tu vraiment... Charles euh... Tissère ferait pas ça, là. <laughs> ben, tu sais, c'est en ouais. fait, il y a comme des règles non écrites dans le milieu de... Tu sais, dans les médias, ou, etc., où mmh. ils vont dire, par exemple, ben, autour de 20 minutes, là, les gens commencent à perdre l'intérêt, tu sais. Mmh. 20-25 minutes... sur les milieux traditionnels comme la télé. Oui, mmh. ou des choses comme ça. Puis à côté de ça, moi, j'ai... Moi, j'ai tout eu de la misère à accepter ça parce que je me dis... Puis moi, je suis absolument pas du tout un fan de Joe Rogan. Au contraire, je, je, je déteste profondément Same ce qu'il fait. Toi aussi? Oh, ouais, on est dans le même cadre okay. là-dessus. Là. Mais il fait des podcasts de 3h30-4h que ceux qui aiment ça l'écoutent, les, les dévorent. Là. Oui, fait ça fait prend moi, je, un comme... talent certain pour faire ça. Oui. Je, on va y accorder. Ben, là, mais ben, ouais. Un, ça prend un talent certain. Puis mmh. deux, on sous-estime vraiment l'intérêt des gens. Oui. Fait que moi, j'ai jamais accepté cette règle-là. Moi, je me suis dit « check ». J'ai un, une histoire, là. je vais aller au bout de mon histoire, puis ça durera le temps que ça durera. là sais Puis, puis euh, mm. jusqu'à maintenant, je pense que ça n'a pas bien ouais. fonctionné. <laughs> ça marche vraiment bien. tu dit qu'il y a une troisième saison qu'il travaillait. Ouf. Oh shit, j'ai pas le droit de le dire. Mais je sais pas. Ben, pas là. Je peux te le dire. en ouais. développement, mais on ne peut pas en dire ah. plus que ça. Oui, oui, je suis en train de travailler. En fait, ça fait plusieurs mois que je travaille sur ouais. une saison en tant que telle. Fait, OK. Euh, ça prend combien de temps, à peu près, à développer... Euh, mettons, la saison 2, ça a pris combien de temps? Euh, c'est un peu plus qu'un an, mettons. OK. Ouais. Attends, presque plein, là. Fait que quand je travaille ouais. là-dessus, je... Ben, je dis ça, mais en même temps, je faisais ma, ma série télé en même temps. Fait Ouais, c'est vrai, hein? Euh, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup d'heures. Ouais? C'est beaucoup d'heures, ouais. OK. Quand même. Mais ça doit être très rewarding, par contre, là, ces heures-là, là. Ouais. là, là. Ouais. C'est vraiment le fun, honnêtement. Mm -hmm. C'est vraiment... Moi, je tu sais j'avais jamais fait ça ce genre de, de contenu là qui est plus comme je ne pas utiliser le... vais pas utiliser le mot enquête parce que c'est pas une enquête à proprement parler tu sais je suis pas un journaliste bah, d'enquête mais tu sais c'est une sorte d'investigation ouais. que je fais puis il y a une sorte de il y a vraiment une quête là, que je vais suivre de A à Z pendant une très longue période puis ça j'avais jamais fait ça mm -hmm. c'est vraiment trippant c'est vraiment trippant de comme partir de rien puis là d'appeler du monde tu sais Chercher du monde dans le bottin téléphonique, genre je pense que cette personne-là a assez quelque chose, puis là d'essayer toutes les A roberge dans le bottin pour trouver le bon, puis là de parler au téléphone, puis là, de faire man, c'est lui, puis là d'y parler, puis tu sais, comme tu sais, c'est des affaires que j'ai eu à faire. là. Wow! Euh, ouais, t'essaies de trouver des gens qui savent quelque chose sur l'histoire que tu veux couvrir, ah. puis que tu as entendu dire que c'est un certain, un certain Alain Roberge, puis là t'es comme, t'as aucune idée de où ce gars-là maintenant. Ok, ça, ça je trouve ça complètement fou parce que tu sais moi ça m'arrive des fois mettons j'essaye de pogner Christian Page en ce moment pour qu'il vienne au podcast okay. mais je vais passer par des contacts que j'ai en commun m'a pas allé ses pages dans les pages jaunes mettons là. ouais ben tu sais mettons mais c'est parce que lui il est, il est connu tu sais il, ouais. il y a une présence Mmh. médiatique ou mmh. etc t'sais. mais c'est ça que je comprends pas c'est que si t'as entendu l'histoire de Alain Roberge qui a mettons fait de la ayahuasca me semble que si quelqu'un dit ça c'est qu'il connaît Alain Roberge pourquoi ne pas ok ben je vais te donner je vais donner un exemple ouais, super là. précis vas-y vas-y donc première saison de, 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 de est-ce que t'as écouté la première saison aussi ou oui. juste la deuxième bon fait que la pro parce que l'exemple je vais te va le donner de, de celle-là la première saison, c'était pour ceux qui l'ont pas écouté, je fais un résumé en deux phrases. C'est une, une femme qui est morte dans une sorte de rituel de sudation extrême mm -hmm. en 2011. Yes. Puis c'était comme à l'intérieur d'une, ce qu'on pourrait appeler une secte mm -hmm. avec une espèce de divinité là, qui, qui contrôlait supposément la C'est le de secte. c'est bon. Hein, j'ai le podcast, je le capter là-dessus. Que... Good. <rire> <Okay>. <rire> Puis dans le fameux rituel où elle est décédée, il y avait plusieurs personnes. Il y avait huit ou neuf personnes, là, je me souviens plus. OK. OK. Bon. Ces personnes-là, premièrement, moi quand j'ai commencé ma quête, j'avais aucune idée de c'était qui ces personnes-là. Of course. Je savais juste qu'il y avait huit à neuf personnes. Mm -hmm. Après ça, fouille des affaires, nanana, parle à telle personne, trouve à un moment donné un document, un document de tribunal, où là d'un coup t'as un nom qui apparaît. Puis là, cette personne-là mentionne une autre personne. Puis là, finalement, de fil en aiguille, tu réussis à bâtir de peine et de misère la liste des neuf personnes. Oh okay? ouais. Là, t'es pas plus avancé. Là, je veux dire, sont où ces personnes-là? Là, sont tu mmh. au Québec? Là, je savais en plus qu'il y avait des personnes là-dedans qui étaient de la France. OK. Fait que là, t'as genre... Puis là, c'est un nom complètement fictif, là, mais genre, t'as euh, justement une... Mettons... Euh, justement, Alain Roberge, OK? Ouais. Bon, Alain Roberge, il est où? Là? Il est-tu au Québec? Il est-tu mmh. en France? Il est-tu encore vivant? Euh, il est-tu... C'est beaucoup de questions. Il est-tu est sur les moi. réseaux sociaux? Pis si oui, des Alain Roberge, il y en a 32. Mmh. Il est-tu dans le bottin? Euh, fait que là, il y a littéralement des cas où j'ai pluché le bottin, pis c'est pas des jokes là, où j'ai appelé toutes les gens qui avaient A, point, ou tu sais, les premières euh. lettres, ou euh, il y a du monde que j'ai appelé en France, que je pensais que c'était peut-être eux autres, uh, tu euh, wow. il, il y a des étapes comme ça, tu sais. T'as-tu fait -tu puis... de beaucoup de prank calls quand t'étais jeune des prank calls? Ouais. Euh, J'en ai fait une couple de fois, mais okay. euh, ma mère m'a dit assez ouais. rapidement que ça se faisait pas. Parce hein. que ça aurait été très drôle que finalement tout ça, c'est juste un très long prank call à Alain Roberge. Ouais, ouais c'est ça. Débuts, ouais. Exact. Ça aurait été. Puis après ça, je fais un podcast sur le plus long prank call qui a jamais existé. J'ai cherché toutes les. Genre, en enfin, fait, que juste l'intention au frais, ça, c'est sûr. T'sais, à la fin, je fais <laughs> comme. Euh, le Alain Roberge de Nanana, oui, c'est moi. Je suis comme, OK, cool. Je voulais juste savoir ça. J'ai <laughs> rien. J'ai rien à discuter avec toi, là, tu sais. <laughs> ça fait trois mois que je le cherche. Ah, oh, mon dieu. Mais moi, c'est niaiseux, mais euh, le, mon, outil de, de, mon outil de prédilection pour trouver du monde, c'est Facebook. Non, clairement. Honnêtement, là, c'est fou. Puis tu sais, Facebook aujourd'hui, c'est moins populaire. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont plus sur Facebook. Mais la réalité est que depuis, mettons, 2007, là, mm -hmm. les gens ont mis leur vie complète sur Facebook. Puis quand tu veux trouver du monde, mm -hmm. là. Tu trouves du monde en tabarnouche sur Facebook. Ouais. Là. parce qu'il y en a beaucoup du monde qui sont comme ben, « Aucune info va être sur mon Facebook ». Il y en a beaucoup aussi qui sont comme « Ben oui, mon numéro de téléphone, c'est ça. Là, c'est le 514. Pis... » Ben, mmh. numéro de téléphone, c'est rare que j'en ai trouvé. Mais par contre, euh, justement, mettons, là, on va continuer sur l'exemple ouais. d'Alain Roberge, OK? Mmh. Tu cherches Alain Roberge. Il y en a 32. Je suis comme « Parfait, on les prend un après l'autre. » Déjà, tu élimines tous les gens qui n'ont pas de photo de profil puis qui n'ont pas de post. Déjà, tu as une dizaine de profils parce que tu es comme « Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » ouais. Euh, après ça, tu en as d'autres que, mettons, tu as une information que tu sais, cette personne-là est à peu près entre, mettons, 40 et 55 ans. Ben, t'élimines ceux que visiblement ils ont 20 ans là, mm -hmm. ou 25 ans, tu sais. Quoi qu'il n'y a pas bien de monde qui s'appelle Alain à 20 ans, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, ouais. tu sais. Fait que là, tu es capable de faire des éliminations comme ça. Ben, euh, ah, ça se passe en 2011 puis la personne a 20 ans, tu t'assures que c'est genre à, ça. elle avait pas 9 ans quand ça s'est passé. Il bon, y a des ouais. choses comme ça. Dans certains cas, tu connais la région où la personne habite. Fait que là tu peux te dire bon cette personne là elle habite au Saguenay c'est pas normal en même temps elle pourrait avoir déménagé tu fait que ouais. là t'es capable de trianguler tout ça puis à la fin c'est comme quasiment comme se faire une liste de suspects puis à la fin t'es comme bon mes suspects là il m'en reste sept là puis là ben t'écris aux sept sur Facebook moi moi ouais. j'écris aux gens sur Facebook je leur fais toutes des demandes d'amis parce que si tu fais pas une demande d'amis la personne n'envoie voit pas ton message fait que là les gens sont comme what the fuck il y a quelqu'un qui me fait une demande d'amis qui j'ai jamais entendu parler de ce gars là mm. Ça donne lieu à des conversations bizarres des fois. Ouais. Puis surtout que le message, genre, j'espère que genre, le message est déjà rodé dans les notes, pis tout, parce que c'est juste genre, Aïe, hey, t'as-tu été dans une secte? Genre, c'est vraiment bizarre. Ouais, ouais, c'est vraiment, ça donne lieu à plein de situations vraiment bizarres. Oh, effectivement, ouais. j'ai des espèces, de, des fois, de messages standards ouais. où, euh, où je vais dire à personne, est-ce que ça se pourrait que ce soit vous, le Alain Roberge, qui a un certain lien avec un événement de 2011. Tu sais, là, j'en dis pas plus que ça, parce que là, sinon. Je vais me mettre dans le trouble. Tu sens sinon comme le pire disant de bonne aventure aussi. Ben, mais... Oui, oh, oh, <laughs> oh, vraiment, vraiment. La personne est comme, ouais. Et quand la personne dit oui, t'es comme, holy shit. T'sais. Tu l'as, là. Ah oh, oui, vraiment. Ouais. Fait que Moi, moi cette partie-là, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais eu à ouais. faire dans rien, de ce que j'ai fait avant. Ouais, clairement. Ça, ouais. c'est vraiment trippant. Puis là, je, là, je m'apprête à me réembarquer dans ce genre d'affaires-là. -là. J'ai une liste. J'ai déjà commencé à bâtir une liste de gens qu'il va falloir que je contacte pour mon sujet. Puis il y en a plein là-dedans que. Dans certains cas, je même pas un nom. Là. Dans certains hey. cas, j'ai carrément la sœur de telle personne qui est peut-être encore en vie. OK. Puis là, il y a quelque chose d'épeurant en même temps, du genre, je vais être capable de la trouver, cette hein? personne-là. Il y a un edge, clairement. Là. Puis des fois, tu trouves une personne qui est comme, euh, comme récemment, je me suis fait un contact là, sur le cas sur lequel je veux idéal, mm -hmm. potentiellement travailler. C'est une madame. Super gentille dans Soixantaine, qui est potineuse, là, mais comme okay. la pire potineuse du monde. Puis elle est comme « Hey, moi je vais t'en trouver du monde, je connais, je joue au bridge avec tel puis lui je pense qu'il connaît le frère oh, de l'autre, oh. puis nanana. » Puis je suis comme « Oh yes, ça là, ça c'est de l'or. » Oui. Quelqu'un de potineur. La là, madame qui... du village là, qui est... Oui, ou, ou ou, j'avais un, un gars comme ça dans saison 1 qui a fait je connais tout le monde dans le milieu moi je vais t'en trouver des contacts des affaires moi c'est quelque chose de quelque chose d'organique un peu qui ouais. se crée où d'un coup tout le monde t'informe puis là tout le monde il y en a qui veulent t'informer oui il y a aussi du monde qui ne veulent rien oui. savoir des fois je me suis fait envoyer promener solide comme je vrai? me suis rarement fait envoyer promener dans ma vie ben, donc le côté en plus tu es sur des sujets pas controversés mais c'est comme un peu comme tabou c'est ça sensible très mais sensible c'est sûr il y a du monde qui veulent pas là ouais. très ouais. sensible moi il y a carrément des gens là, qui m'ont dit je te fais pas confiance puis je vais jamais te parler OK. Puis il euh, y en a que j'ai réussi à les ramener pareil. Il <laughs> y en a mais il y en a qui ont fait. Il yeah. y en a qui ont fait euh, moi je j'ai absolument pas confiance en toi, je sais t'es qui je sais ce que tu fais, je veux rien savoir de toi écris-moi plus jamais. Wow. ça fait un peu mal. T'sais. Ouais, c'est ça mais si tu réussi à retourner donne-moi tes conseils parce que moi j'ai eu de la misère la semaine penser que ça fait. <laughs> Honnêtement, c'est d'être gentil. Ah oh, ouais, c'est ça. De jamais répondre à de l'agressivité par de l'agressivité. Non, c'est ça. De pas répondre à des insultes par des insultes de pas ouais. le prendre personnel aussi, ouais. tu sais quelqu'un qui t'envoie chier là, ça parle souvent plus de la personne et non pas de toi là. Ouais. Tu sais, fait que c'est niaiseux de même, mais moi souvent c'était juste d'être gentil, puis aussi de pas mettre de pression. Tu sais comme il y a des gens exemple dans ces recherches là, puis je l'ai vécu. Euh, je travaillais sur un en fait, je travaillais sur un sujet pour dérive que je voulais faire pour une ouais. saison qui a finalement pas fonctionné. C'était quoi? Euh, je ne je, 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 je le dirai pas parce que okay, je veux peut-être le je, je peut respiner dans une autre affaire éventuellement, okay. mais bref... On ne brûlera pas, c'est bon. Mais il euh, y, y a quelqu'un que j'ai... Ça va être un drôle de mot. Il y a quelqu'un que j'ai courtisé, là, vraiment. Il okay. y a quelqu'un avec qui j'ai parlé. j'étais en contact avec cette personne-là pendant des mois, mm -hmm. dans l'espoir qu'elle qu me fasse confiance. Parce qu'au début, elle était très, très méfiante, cette personne-là. Après, un peu moins méfiante. Là, à un moment donné... Là, on se parle sur Messenger. Là, à un moment donné, ça passe. OK, des messages vocaux. Là, déjà, c'est un step un peu plus intime. Ouais. Là, après ça, elle accepte de me parler au téléphone. Pas enregistré évidemment, une conversation ouais, informelle. Juste pour se parler de tout et de rien. Là, après ça, elle accepte un deuxième appel. Là, après, elle dit « Là, j'ai besoin de recul. Faut que j'y pense. » Là, il se passe un été au complet sans que j'aie de, de réponse. Après ça, j'y reparle. Tu sais, comme pendant, je pense, sept, six ou sept mois, j'ai essayé de bâtir la confiance avec cette personne-là et j'ai réussi, mais à la fin, elle m'a dit, euh, ⁇ "Hey, c'est quoi Finalement, là, je, je, je te fais confiance, puis je trouve que tu es bien intentionné, puis je comprends tes intentions, mais je ne le ferai pas. ⁇ ah, oh, que... c'est la pire histoire de date au monde. <laughs> ouais, c'est ça. Ouais, exact. Genre, tu, tu, tu dates quelqu'un, puis à la fin, personne <laughs> est comme, t'es le meilleur gars du oui. monde, mais genre non. genre blue ball dans ta recherche, là, quasiment. J'ai rencontré... Tu sais, genre, ça fait des mois, mais j'ai oublié de te le dire, mais tu sais, finalement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, là. Mais euh, on, <laughs> a, on a tous déjà fait ça, là. Moi, oui. oui, oui, oui. Moi, j'ai... Euh, quand j'ai commencé à dater, ma blonde, au début, euh, elle, était, elle, elle sortait de relations hyper difficiles. Puis je peux en parler parce qu'elle en parle publiquement, oui, mais oui. ça a été quand même long à, à bâtir la confiance et tout ça. Puis ça, à la fin, elle m'avait dit hey, « finalement, non. » Honnêtement, je m'en serais jamais remis. J'aurais <laughs> eu le cœur brisé. Ouais. Peut-être que euh... ça -tu pris un été de temps aussi, puis 7-8 mois, puis des appels. Ah, ça n'a pas été si long que non, ça. Ça, ça. Ça a été comme quelques semaines, mais right. pour mmh. moi, ça valait une éternité. Mais ouais. tu sais, quand, quand tu bâtis la confiance avec quelqu'un pendant des mois, là, ouais. euh, des fois, ça prend ça. Mmh. Ouais. C'est quand même cute comme histoire, mais je comprends à quel point c'est fâchant là, un peu. Là. Oui. Ouais. ouais. C'est un deuil, quasiment genre de. C'est un deuil. Ah, oh, c'est un deuil. Dans ouais. mon cas, c'était vraiment, vraiment un deuil. Tu sais, quand il y a quelque chose qui. sais, moi, les sujets que je fais dans des rives, c'est pas n'importe quel sujet. C'est des sujets où je me sens personnellement investi. Ouais. Comme exemple, la première saison, c'est que moi, le cas de la femme qui est morte dans le rituel mm -hmm. de sudation. Moi, quand c'est arrivé, c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique. Ok. Parce que ça a été euh, cette histoire-là sortie dans les médias en 2012. J'ai mm -hmm. commencé à faire de la vulgarisation en 2012. Ouais, les dates ouais. Parce que moi, ça m'a fait capoter cette histoire-là, puis ça, ça a été le, 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 le coup de pied dans le derrière qui m'a dit mm -hmm. Man, il faut que tu fasses de quoi pour combattre mm -hmm. ce genre de tendance-là." Deuxième saison sur l'ayahuasca, ça vient de ma peur viscérale des drogues que j'ai depuis que je suis jeune, puis que je okay. comprends pas pourquoi j'ai ça. Puis okay. j'en parle dans la saison. Là, ouais. Euh, J'entends Genre... parler ici aussi, là, tu Ben oui. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, moi, j'ai une peur que j'ai jamais compris des drogues. J'ai jamais okay. pris aucune drogue récréative de ma vie. Okay. Puis, ça m'a tout le temps mis hyper inconfortable. Genre, t'as. Ouais. C'est où la limite? Genre, c'est. Euh... Genre, t'as bu de l'alcool, j'imagine, dans ta vie? Euh, oui, mais aujourd'hui, je te dirais que de l'alcool, c'est extrêmement rare que j'en okay. bois, là. Mais en ai, quand j'étais plus jeune, j'en ai. C'est je, ça, mais je parle d'expérimenter en quelque oh, sorte. Oui, oui, ouais, c'est ça. Ouais, l'alcool, oui. Est ça. Euh, la, la ligne est-tu là, genre euh, Tu sais, mettons, j'inclus pas la caféine là-dedans. Là, non, c'est que... ça. Non, ouais. mais, mais encore là, tu sais, en fait, ce que je dis dans, au début d'Ayahuasca, dans le premier mm -hmm. épisode, c'est que je dis j'ai jamais fumé une pof de cannabis de ma vie. Okay. Jamais. Je me suis fait passer un joint dans un party puis je l'ai juste passé à la personne à côté. OK. Jamais jamais pris une pof. C'est plus proche, finalement. J'ai jamais fumé une cigarette. Euh, je bois pas plus qu'un café par jour parce que moi, quand je prends, quand je prends trop de caféine, mm -hmm. j'aime pas l'effet que ça me fait. Okay. Puis l'alcool, quand j'étais jeune, j'ai pris des brosses comme tout le monde, ouais. et etc. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que l'effet, je l'aime pas, en fait. Non. Je, la réalité, c'est que j'ai jamais aimé l'effet de l'alcool. Okay. Puis quand j'étais jeune, je, quand je buvais de l'alcool, c'était pour me dégêner parce que je suis quelqu'un de super gêné. Ouais. fait J'ai vraiment un rapport comme. Je sais pas, je suis vraiment tout le temps été inconfortable. Fait à travers mmh. la saison de dérive, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Ouais. Fait que ça partait vraiment d'une quête personnelle. T'sais. OK. C'est pour ça que ça m'a. C'est parce que sinon. Mmh. Mais t'en ressens pas le besoin. Ben, tu... moi, il faut que je sois investi là-dedans. On ouais. dirait c'est important pour moi d'avoir une quête personnelle à travers mmh. ça. Parce qu'on dirait que ça me. Je me dis, ben, tant qu'à faire une enquête, en guillemets, sur ou telle l'affaire, pourquoi pas avancer en tant que personne moi-même? Ouais. Faire une enquête sur toi-même, finalement fait que tu sais j'ai une liste de cas que je pourrais faire pour dérive qui a comme genre quatre pages mm. mais je mais il y a plusieurs de ces cas-là que je ferai probablement jamais parce que il faut qu'il faudrait que moi ça, a, faut, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose là-dedans que je puisse moi aussi développer ou travailler sur moi-même ouais. c'est comme ça mon c'est un de mes critères t'sais. fait que ça revient à l'anecdotique comme un peu genre ce que t'avais fait avec la le formation les débuts. Ouais, ouais ouais on pourrait dire ça c'est intéressant de faire un beau parallèle avec ça je trouve. Ouais, ouais 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 exact En fin de dérive, t'en aurais-tu fait d'ailleurs est-ce que euh, non. Non, tu pas réussi à te convaincre finalement. Non, vraiment pas. Oh. Ben, okay. Mais tu sais, il oh, y a plusieurs choses là-dessus. Oui. Premièrement, as, toi, as tu as fait de la yahooska. T'es-tu un, un amateur de drogue récréative? Je, vais... ben, je vais dire ça de même, là. même. moi, en ce moment, je suis sur un dry spell depuis un bout. Mm -hmm. C'est deux mois et demi que je bois plus d'alcool, quand je consomme plus de cannabis, rien. Mm -hmm. C'est la plus grosse période que j'ai faite de ma vie depuis que je commence à boire à 14 ans. Ouais. Puis euh, Ouais, ouais. J'ai bien magique quand même, beaucoup, surtout dans les dernières années. Ouais. Euh, j'ai essayé un peu le chimique, mais je suis pas fan non plus. Chimique, c'est quoi ça? Ben, donc, genre, ben, en fait, tout est un peu chimique finalement. C'est bizarre de ben réduire ouais. ça à ça. Là. Mais genre, mettons, tu sais, ce qui est cocaïne, puis ce qui est genre euh, MDMA. Okay. J'ai fait. Tu sais, je pense que j'ai essayé de tout ce qui peut ne pas ruiner ma vie. Ah ouais, à ce point-là. Ok, suis okay, rendu là. Mettons, j'ai pas essayé le crack, j'ai pas essayé l'héroïne, j'ai pas essayé la kétamine, pis ça me tente pas. Ok, mais c'est. Je comprends. Mais c'est ça, mais tu sais, dans l'ayahuasca, mettons, je l'essayerais pas, mais j'ai une raison pr très précise. ouais c'est que je suis pas tracophobe. Euh, c'est quoi ça? J'ai peur des crapauds puis des grenouilles. C'est quoi le lien? Ça vient pas de là? Non. Ah, c'est-tu, je me suis mêlé avec une autre affaire là. -bas. Ouais. Euh, on 100%. Peut, on, on peut tout. Dé... Mais il mais y a un lien. On mais... va se démystifier, c'est ça? Il mais mais euh... y a un fond de vérité dans ce ouais. que, <laughs> que tu <dis>. <rire> <rire> Ouais. Ok. Euh... Mon Dieu, il y a tellement de choses que je veux dire là-dessus. Go, part. Euh... <laughs> ok, ben, Redlon, l'affaire de, la... ouais. de la grenouille, premièrement, <laughs> okay. c'est que. L'hallucinogène de l'ayahuasca s'appelle ouais. le DMT, mm -hmm. okay, diméthyltryptamine. Oui. C'est ça l'hallucinogène. Ouais. C'est un analogue, en fait, chimiquement, parce que c'est mm -hmm. toutes des molécules. Ouais, sais, chimiquement, c'est très très proche de la psilocybine qui est les champions magiques. Ouais. C'est très proche du LSD aussi. Mm -hmm. okay? euh, donc, euh, c'est très proche aussi de, de, la, de la mescaline. Ouais. Euh, le cactus, le payote, ouais. fait ça. Euh, fait que toutes ces molécules-là sont quand même très proches. Okay? Mm -hmm. Puis pour chaque molécule, t'as aussi des dérivés de Comme tu sais, ce que tu achètes sur la rue. Quelqu'un qui achète du LSD, sur la rue, c'est pas du LSD. On non, c'est des vraies affaires. Là, a, ça existe plus bah, du Parce que comme la, la dénomination Pinote pour c'est n'importe quoi finalement, là, qui est un peu de la rue. Pinote, c'est quoi ça? De la pinote, euh, ben moi ça c'est le gars de la Côte-Nord qui parle le Fait que. Non, la non, la mais non, ça m'intéresse. Mais tu as un jargon de, de ouais, certaines drogues? pour de la coke qui est coupée à 100 000 affaires, là. Puis il y avait ça de la pinote. Ouais, parce ah, okay. que tu peux faire, genre, tu, parce que c'est de la coke, mais genre que tu peux en manger, tu peux l'inhaler, tu peux fumer, tu peux faire tout les temps avec le. Mais parce okay. qu'au final, tu vois à quel point c'est de la scrap. de... Genre, oh shit. Tu fais n'importe quoi, ça va te buzzer pareil parce qu'il y a un peu n'importe quoi là-dedans. Ouais. Là. Probablement, euh, là, qu'il y a une parcelle de cocaïne ou peut-être même pas ouais. puis qu'il y a plein d'affaires comme du PCP ou fouille-moi ce qu'ils mettent aujourd'hui là-dedans. Ben là c'est ça, il y a eu une ouais. grosse craze surtout genre on, en ce moment c'est le gros craze du fentanyl un peu partout là fait que ouais. ils sont sans doute du euh, juste du carbonate de ça, il va même évidemment ouais. pour le couper là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça C'est ouais, ça c'est euh, dans mon coin ouais. de pays ça fait tu sais t'as as des analogues de chaque affaire mm -hmm. puis il euh, y a un, un des analogues du DMT c'est oui. le 5-MeO-DMT okay? Okay. puis le 5-MeO-DMT il existe aussi euh, naturellement okay? mm -hmm. il existe dans la... en fait le DMT ça vient de la nature ça existe dans des plantes qui okay? on retrouve ça dans certaines plantes c'est pour ça que la ayahuasca c'est un espèce de bouillon de plantes là. Oui. ils mettent des plantes là dedans puis mm -hmm. une des plantes contient du DMT puis euh, il y en a aussi les animaux peuvent en fabriquer du DMT, hein. le, le cerveau en fabrique ouais. des, des micro-quantités, mais le 5MEO DMT, qui est une sorte de DMT, on va ouais. dire, mais un peu modifié, existe et est formé par certains crapauds. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est du 5 MEO DMT. Puis mm -hmm. moi, les gens qui en ont fait des deux. C'est ça, parce qu'on dirait que c'est tagué ouais. l'ayahuasca de justement genre le rituel sud-américain. Ouais, de, genre, non, mais c'est vraiment mais ouais. deux affaires très différentes. Mm -hmm. Puis euh, un, un trip de. Si tu vas faire l'ayahuasca, c'est l'ayahuasca. Mm -hmm. Si tu vas faire du 5 MEO DMT, c'est du 5 MEO DMT. Entre toi et moi, ils mettent peut-être du 5 MEO DMT un peu dans l'ayahuasca pour buzzer plus. Fouille-moi, là. Euh, parce que ça la l'ayahuasca, ça a beau ouais. être un bouillon préparé par des chamans, là, ils te le coupent. C'est de la pinotte aussi. Bien évidemment, c'est sûr. On ne se comptera pas d'histoire. Ouais, mais c'est ça. Mais finalement, pour revenir à la question de ouais. si moi j'en ferais, ouais. probablement, mais ouais. juste parce que j'ai fait des champignons, comme j'ai dit, la première drogue que j'ai ouais. faite, moi, dans la vie, c'est du LSD. Ouais. Avant même de faire du, du, du weed. Fait que genre, c'est un peu un caractère sacré dans ma tête de tout ça. Là. Genre, j'y te plus jamais. Je comprends. Puis c'est correct, mais genre, ouais. probablement que j'en ferais juste parce que comme... Je pense pas que ça avoir des grosses répercussions sur moi, mais surtout que je trouve ça intéressant parce que avec, mettons, juste les champignons magiques, est une drogue très abordable, je pense que c'est plus facile d'avoir des champignons magiques que d'avoir comme n'importe quel autre drogue, surtout à Montréal en ce moment. Mais ça, c'est de Insider, de moi qui a été, genre, consommateur, C'est pas Ah non, mais écoute, c'est un témoignage, Des champignons magiques, tu peux en commander sur Internet. C'est ça. dans une enveloppe par la poste, c'est la réalité. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a vraiment, genre, dans ma croissance personnelle, je pense qu'il y a un... PA pré-moche puis un PA post-moche. Ah ouais, dans quel vraiment? sens euh, pff, Ça ouvre, ouvre les yeux sur ben des affaires, là, mm -hmm. mais tu sais, c'est vraiment un voyage sur l'intérieur de toi, puis je pense que ça va être ça aussi pour l'Ayahuasca, ça va être ça aussi pour le LSD. LSD. Je pense que j'étais trop jeune, je sais pas dans des bonnes euh, conditions pour le faire, c'est pour ça aussi que je veux peut-être pas en refaire. Puis, mais c'est ça, je pense avec les. Euh, les psychotropes, je pense que c'est... Non, c'est pas le bon mot pour ça. Les en tout cas. Ben, tu as les psychédéliques. Ouais, psychédéliques, c'est ça. Ouais, les... ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais pour ça, je pense que c'est vraiment... Ça t'ouvre parce que tu vois une autre vision de la vie en tant que tel. Mm -hmm. Vraiment, ça va jouer loin dans ta tête. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour vulgariser le champion magique, là. Mais euh, c'est vraiment intéressant. Juste, tu sais, j'ai passé une demi-heure à, genre... Tu sais, le plancher en bois franc ici. Mm -hmm. Suivre les lignes sur le bois. Mm -hmm. Puis, genre, m'emporter par ça. Puis, étrangement J'en ressors grandi. Je comprends. D'avoir passé une demi-heure sur quelque chose d'autant futile. Ben oui. Puis je le réalisais au travail que c'est futile parce que, pense que tu sais, tu penses. Moi personnellement, j'ai pas blackout là-dessus. Je me rappelle de tout ce que j'ai pensé là-dessus. Ouais. c'est gros aussi de réaliser ben des affaires sur tes problèmes. De réaliser non. que moi finalement, je suis beaucoup plus dépendant du monde. Puis genre de l'attention des gens ouais. par rapport à ça parce que je voulais pas être tout seul. Genre, je regardais des vidéos euh, sur, une, euh, sur ma télé. Puis genre, dès qu'il un personnage qui quittait l'écran, je voulais qu'il revienne. Okay. <laughs> je voulais pas qu'il qu me laisse, genre. Oui, c'est ça. tu sais, juste des réflexions comme de même, de faire « ok, je suis de même, genre. » ouais. profond, c'est ça. Puis, tu sais, parce que t'es vulnérable, on dirait qu'on t'enlève un layer de peau, là, que tu te livres ouais. au complet, là. Fait. Mais ce que tu décris, là, en mm -hmm. passant, là, c'est... Ouais. Puis tu dois le savoir si tu connais d'autres gens, là, mais mm -hmm. c'est assez commun, ce genre d'expérience-là. C'est-à-dire ouais. que, en fait, moi, j'ai parlé à énormément de consommateurs de toutes sortes de drogues pour faire mon, mon podcast « euh, dérive pas, à Ayahuasca ouais. ». Il y, y a plusieurs raisons de consommer des psychédéliques. Mm -hmm. Il y, euh, y a purement récréatif, du genre. Euh, C'est le fun, puis j'aime ça le voir. J'aime ça voir des formes géométriques. Comme exemple, ouais. souvent, il y, y, y a des formes qui apparaissent oui. dans la vision parce que ça vient affecter, ça vient créer mm -hmm. des hallucinations ouais. euh, euh, au niveau, euh, au niveau euh, visuel. Mm -hmm. euh, il y a des gens que c'est juste récréatif, ils, ils tripent à regarder ça. Après ça, tu as des gens que c'est spirituel. T'sais, pour mm -hmm. eux, ça a une signification, ça a un, ça a un sens plus profond. Ouais. Ils croient que ça leur permet de se rapprocher de whatever mm -hmm. qui, à, auquel ils croient, etc. Tu as des gens qui le font dans une perspective de croissance personnelle, c'est-à-dire que pour eux, c'est comme une démarche où ils, ils, ils veulent en apprendre sur eux-mêmes parce qu'ils ont mm -hmm. l'impression qu'ils vont débloquer des parties de leur psyché auxquelles ils n'ont pas ouais. accès normalement ce qui n'est pas, pas faux d'ailleurs puis, euh, puis après ça ben t'as toutes sortes d'autres usages t'as de oui. des usages traditionnels oh, like cool. ben, sans, sans, <laughs> sans doute là tu sais <laughs> mais c'est assez commun ce que tu décris c'est des gens qui vont vivre des expériences super significatives puis euh, fondatrices même mm -hmm. euh, sur des psychédéliques en particulier la ayahuasca puis la ayahuasca a justement une sorte de d'aura, si tu veux, où justement, c'est vu comme étant la, le psychédélique suprême. Oui. Probablement parce que c'est un psychédélique que, euh, à la dose qui te le donne, puis dans les circonstances où il te le donne, ça crée une expérience. Où il y a entre autres une perte de contact presque ouais. complète avec le corps. Là, mm -hmm. Pas nécessairement à toutes les doses, là, mais euh, tu Pour peux le avoir contexte, c'est quand même gros Je pense que ça joue beaucoup là-dedans. Là. Ben, le, ben, le, 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 le concept en psychédélique, c'est drug, set, and setting. Ouais. C'est la substance, puis l'environnement, puis ton état d'esprit. puis mm -hmm. Quand tu es dans une cérémonie d'ayahuasca, tu as la drogue mm -hmm. qui est un hallucinogène excessivement puissant. Tu as le, le, le setting qui est généralement. Dans une espèce de. Tu sais, comme si tu vas le faire avec des chamans en Amazonie, il y a comme. Tu es en cercle, il y a des champs, c'est le soir/slash la nuit, avec des torches qui brûlent, tu sais, ouais. je veux dire, il y a toute une atmosphère qui vient contaminer le, 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 ce que tu est vas ça. vivre. Tu tout t'sais. sauf dans ton environnement habituel. Là. Exact. Puis après, il ben, y a le set. Le set, c'est le, le, le mindset, dans un ouais. sens. Puis ça, ben, souvent, les gens viennent avec. Des, des intentions. Mm -hmm. Fait qu'ils vont dire. Euh, puis en fait, c'est même très encouragé dans les cérémonies d'ayahuasca de, de fixer des intentions. C'est-à-dire, ouais. la, la, avant le rituel, ils vont passer beaucoup de temps il y a comme des espèces d'encadreurs dans, mm -hmm. dans, les, dans les centres où ils vont dire. C'est quoi ton objectif? Tu viens ici pourquoi les gens vont dire, je viens pour régler des traumas, je viens pour réfléchir à la relation avec mes parents, je viens pour guérir une dépendance, il y en a qui viennent pour guérir des dépressions, des troubles de stress post-traumatique, il y en a que c'est juste, je veux progresser comme être humain, je sais pas, tu sais. Ouais. Tout ça, évidemment, vient influencer l'expérience, tu sais, euh, finale fait que Les gens, c'est sûr qu'ils trouvent tout le temps un peu ce qu'ils cherchent, parce que la réalité, c'est que quand tu regardes le fonctionnement des psychédéliques, c'est que, tu sais, je veux dire, si tu pars en te disant, euh, je veux réfléchir à la relation ouais. avec ma mère, tu, tu vas voir ta mère, là. Ouais. Dans les hallucinations, c'est pas de la magie, là. Je veux dire, c'est... Tu manifestes que ton cerveau veut voir, là. Euh, Oui, exactement, ouais. tu sais. Puis après, ben, ce que tu vois, mais ben, ça peut être très significatif. Ça peut être des pensées auxquelles tu n'as jamais pensé avant. Ouais. Fait que, euh, que c'est ça. Moi, je dans moi, un autre état mental, il que je trouve d'autres solutions que d'habitude, ouais, finalement. Oui, ouais, totalement. Moi, c'est une des choses que j'ai apprises. Tu sais, j'ai trouvé ça franchement intéressant. Puis d'ailleurs, je l'admets à un moment donné dans le parcours de euh, quand, dans le balado là, qui est sur neuf oui. épisodes. Je pense que c'était à l'épisode 3, en fait. Je l'admets à un moment donné, je dis Hey, il y a eu un moment, à un moment donné, là, où je me disais crime, il faudrait vraiment que j'essaye ça. Tu sais. mm -hmm. Parce que t'es comme Mais c'est vraiment fascinant, tu sais, ouais. quand tu y penses. Tu sais, tu te dis euh, il y a vraiment beaucoup de gens qui décrivent avoir comme eu une perspective complètement différente sur toutes sortes d'affaires, sur leur vie en entier. Tu te dis, Colin, c'est quand même fascinant. T'sais. Fait que moi, je comprends complètement les gens d'avoir de, de, envie de vivre ces expériences-là. Après, il y a un paquet de problèmes aussi reliés aux psychédéliques Claire, à tonnes oh oui. qui sont malheureusement. Extrêmement banalisé. Oui. Euh, mais, euh, mais, mais le désir de vouloir vivre cette expérience-là, je pense que maintenant je le comprends, puis avant je ne comprenais pas, pas en tout. Là. Non, c'est clair. C'est vraiment intéressant, surtout la démarche par rapport à juste se questionner de est-ce que je le fais ou pas. Je trouve que c'est quasiment aussi grand que le faire pour vrai. Ben, totalement. Ouais. Puis, euh, tu sais, euh, moi, il y a plusieurs personnes à qui j'ai parlé qui m'ont dit. Euh, la fois que j'ai fait du LSD, c'est un des moments les plus, les plus importants dans toute ma vie, puis je suis comme holy shit. Tu sais ouais, moi le Je confirme. Tu confirmes mais tu puis tu me l'as dit tantôt. Mm -hmm. Tu sais moi, je pense à des moments les plus importants dans ma vie, j'en ai, tu sais. Mm -hmm. Mais je me dis ah ouais, tu sais comme tu peux prendre une substance une fois puis ça devient le moment le plus significatif de ta vie. c'est c'est genre d'enfant qui est un peu dur à comprendre quand tu l'as pas vécu. Mais as déjà goûté un super bon mac and cheese aussi ça peut être ça le ben... bonne substance. <laughs> Sans doute, <t'sais. rire> Ouais. Sans doute. Mais moi, j'ai. En fait, c'est une des choses aussi que j'ai réalisé en faisant le balado, c'est des expériences transcendantes, mm -hmm. on en vit tous. ouais C'est juste qu'on les nomme pas comme ça. Mm -hmm. Moi, je me souviens. Euh, je me souviens à un moment donné, j'avais fait un trek en, au Pérou okay. dans un, un, un trek de trois semaines en autonomie complète. Là. On était wow. un groupe. Euh, C'était complètement insane, cette affaire-là. Puis à un moment donné, il fallait passer un col à comme genre 5500 mètres. Okay. qui c'était fucking difficile. Là. Genre, quand tu dis, dis qu'on passe la journée au complet pour monter un col que à une altitude. Si pas en altitude, tu monterais ça en une heure, mais que là, tu le montes en comme quatre heures, là, tu sais, tellement ce que c'est tough. En hey. tout cas, je me souviens pas de tous les détails. je suis arrivé. Puis faut moi ce qui m'est arrivé cette journée-là. Moi, j'avais été malade pendant tout le voyage, j'avais le mal l'altitude, j'avais oh, sortes d'affaires. Mais cette journée-là... Là, il y a quelque chose qui s'est emparé de moi, là. puis j'étais dans une forme absolument extraordinaire. Puis tout le groupe en arrière traînait. Moi, j'étais tout seul. Je me suis retrouvé tout seul sous la trail. Je suis arrivé le premier au sommet du col, puis là, il y a un condor qui est passé à peu près à genre juste au-dessus de ma tête. Wow! Moi, je considère que ce moment-là, -là, c'est un moment qui, qui est quasiment religieux. T'sais. Ouais! Il y en a qui vont dire à j'ai vu de quoi, puis j'ai vu Dieu. Là. Moi, je pense qu'il y a des moments que tu peux vivre comme ça dans la vie, que c'est des moments profondément spirituels. Puis que ça peut être avec des hallucinogènes, ça peut être. Pas avec des hallucinogènes, ouais. ça peut être en faisant de la ça méditation. Ça peut être une grosse crise de trek avec un condor, c'est malade. à ouais, ça. ça peut probablement que le mélange de épuisement, fierté, je suis parti à pleurer en Adrénaline, clairement. Je pleurais, là, comme. Puis en même temps, je pleurais de joie, tu Fait oui. que c'était un moment, justement, extatique. T'sais. Ouais. Fait que c'est. De mettre des mots là-dessus, justement, comme expérience. Fait tu sais, dans un sens, c'est pas juste sur les hallucinogènes ou autre. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des moments comme ça. Ouais. Là. Puis. Vraiment solitude, inhabituelle avec soi-même, puis. Ouais, juste un moment où tu es dans. En fait, es dans un. On appelle ça des états de conscience modifiés. Mm -hmm. Puis, un état de conscience modifié, on se dit, ah, mais tu peux vivre ça avec de l'alcool, tu peux vivre ouais. ça avec des hallucinogènes, mais il y a des gens qui vivent des états de conscience modifiés en faisant de la méditation. Mm -hmm. Moi, j'en ai fait de la méditation. J'atteins pas des états de conscience modifiés personnellement. Non, non plus. Je, je pense juste que j'ai mal au dos. <rire> <rire> mais il y en a qui, oui, là. Oui. T'sais? je euh, euh, pense qu'il y a plusieurs façons il y, y en a qui vont dans il euh, y en a qui vont à l'ovarium ouais puis qui vont se faire euh, flotter sur un Les bain bulles, là, ouais, ben, ouais tu, tu flottes sur un bain d'eau c'est de l'eau qui, qui est comme euh, saturée en, en, en sel minéral comme la mer morte un peu Oui, exactement ouais. fait que tu flottes sur le dessus puis là ils il ferment le couvert puis là, t'es comme dans une chambre de déprivation des sens. Moi, je l'ai déjà faite. T'es ouais. tu, tu, dans le noir total. Vu que tu flottes, tu sens rien. Fait que t'as plus aucune sensation. Il n'y a aucun bruit. Puis là, tu passes une heure de temps avec plus aucun de tes sens. Avec toi. Puis il euh, y a des moments un peu fucked up où, moi, à un moment donné, j'avais l'impression que j'accélérais à une vitesse infinie. T'sais. OK. Fait que, probablement que c'était un moment ouais. où j'étais dans un état de conscience modifié. c'est probablement. T'es fan de cette expérience-là, tu aimé ça? Euh, j'ai trouvé ça intéressant, mais ouais. euh, je retournerai pas. Bon, euh, tu l'as fait une fois, puis c'est en masse. Ben comme toi, tu t'as jamais refait euh, LSD, tu sais. Non. Fait que tu Ouais. Des fois. C'est ça. Des fois oui, des fois non. Euh... Non, je comprends. Il y a des moments sacrés, hein, des fois. Je sais pas. Spirituel un peu. J'ai ouais. trouvé ça un peu plate, en fait, yes. pour être tout à fait honnête, j'ai ouais. trouvé ça vraiment long, mais il y a eu un moment à un moment donné où peut-être que je... Le pire, là, j'étais peut-être en train de m'endormir. Peut-être. D'ailleurs, on, on a des hallucinations, on appelle ça des hallucinations hypnagogiques. Okay. C'est des vraies hallucinations. Quand tu es, en en, es entre le sommeil et l'éveil, ton cerveau hallucine. Okay. Euh, ce qui explique d'ailleurs la quasi-totalité des phénomènes paranormaux euh, qui, ont, euh, qui ont été vécus pendant toute ouais. l'humanité. C'est beaucoup des hallucinations hypnagogiques, c'est ça l'hypothèse okay. principale. Mais peut-être que j'ai eu des hallucinations hypnagogiques, peut-être que j'étais dans l'ovarium. J'étais en train de m'endormir, puis tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des affaires. Tu sais. ouais. Mais c'est des vraies hallucinations, Vraiment? au même titre que tu pourrais avoir sur une substance. Là, tu sais. Clairement. Puis là, tu me mets sur une excellente piste, là, juste avant, Fanny, ça fait combien de temps? Tu pourras faire du montage là-dessus qu'il y a des pauses que tu trouves plates là. Mais pour vrai je saurais même pas t'identifier quelle force est plate. Ah ok. À part le début que tu m'as dit de couper parce qu'on avait une bonne conversation. Ça va être le moment, là on parlait de spirituel, on parlait de paranormal puis tout ça, ça va être le temps qu'on se lance là-dessus. Fait que. Si vous avez une histoire paranormale traumatisante, épeurante ou whatever, envoyez-moi là au sombre podcast à gmail.com. J'aimerais ça un moment donné d'en de pour vrai pour voir les lyrics mon invité. Pour l'instant, j'en ai toujours pas. Fait qu'à place de répéter tout le temps le même à chaque podcast, ça ferait chier tout le monde qui l'écoute. Ben, on va juste lancer l'invité là-dessus. Qu'est-ce Puis... qui te fait tripper tu, sur ce sujet-là, toi, au juste? Moi? Euh, J'aime ça pas avoir de réponse dans la vie. OK. Parce qu'on vit dans une ère d'information très... Euh... Bon, on n'a jamais eu autant d'informations dans l'histoire de l'humanité, ouais. je pense. À part si tu crois que euh, le secret de l'univers était con dans la librairie d'Alexandrie. Mais ouais, ouais. c'est ça. À moins que tu sois dans cette gang-là, euh, je pense qu'en ce moment, l'être ouais. humain euh, a atteint genre, le maximum... Pas le maximum, mais le plus d'informations qui avait disponible à sa portée. Je pourrais phraser ça vraiment mieux, mais en tout cas, <laughs> j'en vais y aller avec ça. taimes ça l'idée qu'il y a ouais, des choses ça. complètement incertaines qu'on oui. pourra probablement jamais savoir. T'aimes cette C'est ça, j'aime ça aussi. Ben, je suis un gros fan de fiction. En général, j'aime le concept de la fiction. Mm. Puis j'aime ça, le concept, genre la réalité puis la fiction qui merge ensemble. Puis on dirait que je pense, dans la vie en ce moment, le plus proche qu'il y a de c'est le paranormal puis le surnaturel. Je comprends. Pis les mythes, les légendes, tout ça. Je... Ouais. Moi, je ouais. suis comme toi en passant. Ouais. Ok, ces mm -hmm. sujets-là me fascinent depuis que je suis jeune. Mm -hmm. Quand j'étais jeune, euh, je tripais sur. Il y avait un magazine, écoute, je me souviens plus du nom, mais il y avait un magazine que. Je pense que, que, que tu m'avais parlé quand on Ouais, e mais ah, que... le retrouver. Ben... Oh, -tu mon ciel, mais tu je raison. savais pas le nom du magazine Anyway quand je te l'ai écrit. Tu penses Non, 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 je ne le savais pas. Je pense que c'était ça s'appelait peut-être comme Paranormal, quelque chose. Ah ouais, c'est un magazine québécois ou français, le Paranormal a venu cryptozoologie le cryptozoologie aussi, ça, c'est fascinant. Oui, tu sais, c'était ouais. euh, typique le magazine, là, comme des, des années 80-90, où tu avais. Euh, c'était vraiment. Bon, évidemment, beaucoup de stuff d'OVNI, beaucoup, ouais. beaucoup d'affaires d'OVNI, des affaires de paranormal, des affaires de Bigfoot, des affaires de monstres qui pourraient exister dans un lac ou pas, ouais. ou des choses comme ça. Fait que c'était vraiment des revues qui étaient juste là-dessus. Puis moi, là, je je mangeais ça à la cuillère, vraiment. J'aimais tout ce qui avait rapport ouais. avec ça. Moi, là, les films qui ont été les plus importants dans ma vie, là, ça a l'air peut-être quétaine, là, mais c'est Indiana Jones. Là. Ouais, je comprends. Honnêtement, là, Indiana Jones m'a façonné. Ouais. Okay? Heureusement, pas à 100%, parce qu'aujourd'hui, il y a des gros problèmes. Ouais, quand je qu'un fouette, mais... Ben ouais, il y a, y a <laughs> ça, puis il y a aussi d'autres affaires que quand t'es plus temps. vieux, tu réécoutes ça, puis t'es comme... Ouais, mmh. il, est un peu, il est un peu masculin... Euh... Oui, il ouais, ben y a ça, puis il y a aussi... Ouais, y a, oui, puis il y a aussi d'autres affaires. Les tangents racistes, Il ouais, y, y a plein de problèmes. Ah, oh, c'est génial. Mais, euh, mais moi, ça m'a vraiment façonné. Puis honnêtement, là, moi, là, des affaires comme ça, tu sais, genre, hein, attends, il existe peut-être des artefacts à des endroits dans le monde qu'on n'a jamais découvert. Il existe peut-être des tombeaux qu'on n'a jamais découvert, des, des cavernes où il y a des secrets. Encore aujourd'hui, cette idée-là me... me, me me fait triper. En fait, ouais. j'aimerais ça, moi, vivre dans un monde où tout est à découvrir. C'est quasiment plate que la planète, que la Terre soit aussi explorée. Je suis d'accord. J'aimerais ça atterrir sur une planète haute, là, ouais. Puis qu'on fasse. On, on repart à zéro, là. Moi, si tu me donnes une fiction, là, de gens qui arrivent dans un monde inconnu, pis il faut qu'ils découvrent tout, là, pis il faut qu'ils explorent, mm -hmm. moi, ça me fait comme. Mais mon film préféré tous les temps, c'est un affaire de même aussi, là. Moi, c'est Annihilation. Annihilation. Ah oui, ben oui, ouais. avec Nathalie Portman. Oui. Ouais, ouais, oui. Ouais c'est exactement le même principe ben totalement il arrive là il y a comme une espèce de De shimmer ouais c'est ça que personne ne sait ce que c'est je pense que c'est genre la cinquième fois que j'en parle sur le podcast à ce point là toujours pas regardé annihilation qu'est-ce que vous faites guys? là crème c'est fou j'ai capote ben c'est ça tu sais souvent ben reçois du monde qui travaille dans les films ou qui ont une passion de films d'horreur parce que souvent c'est le plus proche qui ont du paranormal dans le comprends. les films d'horreur fait que souvent on parle beaucoup de ça totalement moi je trippe sur les films d'horreur depuis que je suis jeune ouais tu sais comme je me souviens quand mon plus vieux souvenir de films d'horreur c'est euh, dans le temps, euh, mes parents on allait au club vidéo, puis c'était un club vidéo euh, qui était euh, avec un robot là. T'sais, ouais. que y avait pas de, ça, as tu as déjà connu ça, toi Non. C'était des clubs vidéo où tu t'allais, okay? ok Que il y avait pas d'être humain qui travaillait là. là. <laughs> ouais. Tout, toutes les cassettes, c'était des VHS là. Okay. Toutes les cassettes VHS étaient dans des murs vitrés. Puis tu, tu pis tenais sur une affaire, puis il y avait une espèce de bras de robot qui allait chercher oui, ta, ta cassette VHS. Scriptrice. Comme une sorte de machine destructrice, mais, mais c'était une, 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 une pièce complète là. Ok pas c'était pas une machine distributrice. Là, ça, c'était avant le Blu-ray. C'était des VHS. Ce que the... je te dis là, c'était dans les années... 80, fin 80, okay, début 90. je viens d'avoir mon Gen moment Il faut que tu fasses des recherches là-dessus. Euh, je me souviens plus du nom. De, ça s'appelait, mais c'était bien avant, mettons... Euh, les super clubs vidéo -tron qui existent plus tant aujourd'hui là, c'était bien avant ça. C'est rare je me rends, je sens vraiment jeune dans un podcast mais là. là. J'ai j'ai 41 ans, hein, fait que euh, je suis né en 81. Je sais que fait pas. Mais... Ah ben t'es fin merci. <laughs> mais en tout cas moi c'est moi c'est un souvenir puis je me souviens qu'on était à un moment donné, j'avais peut-être peut-être probablement 8 ou 9 ans, puis j'ai dit à ma mère je veux ce film là, puis c'était Poltergeist qui était le premier oh, Poltergeist. Ouais. Tu connais-tu euh, Oui oui, oui, mais c'est le film d'horreur préféré à ma mère aussi. Ah là. bon. Elle ne coûte pas beaucoup mais lui elle l'a vu puis elle s'en rappelle. Puis aujourd'hui Là, sérieusement, là, ça se réécoute. Ça n'a pas vieilli. Là. Ça, ça se ouais. réécoute super bien. Je l'ai réécouté il n'y a pas si mmh. longtemps. Euh, C'est super bon encore. Oui. Euh, C'est un classique. Oui. Le euh, Shock Value est encore là, même s'il est moins gros que certains d'aujourd'hui. On là, a toutes mais... vu aujourd'hui. C'est différent. Tu sais, les films des années 80-90, moi presque tous mes films d'horreur préférés sont de ces années-là. C'était pas, Il n'y avait pas des effets spéciaux dans le temps. Mmh. Fait que il fallait beaucoup qu'ils reposent beaucoup plus sur l'atmosphère que sur. Il euh, n'y avait pas beaucoup de jumpscares ouais. dans le temps. Mais les films d'horreur actuels, c'est tout ça là, à cette heure. Là. Les, en tout cas, ceux-là qui sont genre praised, c'est toutes des atmosphères épeurantes plus que des jumpscares. Toi, c'est tout ça que t'aimes euh, Moi, j'aime de tout. T'aimes tous les styles J'aime. Pour vrai, hier, on, ça fait deux jours qu'on écoute des films d'horreur en colocation. Là. Ouais. Puis hier, on a écouté un film de Chasse à l'homme. Avant, hier, on a regardé un film de. Ça s'appelle sainte Mode. Okay. Ouais, c'est vraiment. si Je sais c'est quoi, mais je ne l'ai ouais. pas. Okay, c'est. Écoute, là, si tu veux, eux ouais, c'est ça, c'est du fanatisme religieux, là, vraiment, c'est okay. une histoire, là, mais si c'est gens genre fait qui t'intéresse, vas-y, mais tu sais, moi, j'ai trouvé ça hyper prétentieux, mais comme, c'est correct, j'aime ça aussi, le cinéma prétentieux, le travail, là, mais... C'est ça, tu sais, moi, euh, les films d'horreur, mettons, qui me... Tu sais, les, les films d'horreur qui me font triper plus présentement, ouais. souvent, c'est des films que je pense que le monde trouve ça prétentieux, mm -hmm. mais on dirait que c'est un, un côté nostalgique, tu sais. Ouais. Parce que, justement, on dirait que je m'ennuie de l'époque où... Euh, tu pouvais faire peur en voyant Focal. C'est ça. Comme, mettons, si je, mettons, dans mes films d'horreur des dernières années, tu euh, The Witch. Oui, mais là, oui. Là. Euh, the Wind. Mais The si tu Witch, ça, tu le vois tout de suite en commençant, par contre. Là. Tu vois quoi Ben le bébé, pis. Ah, oh, ouais, c'est vrai. Il y a une scène ouais. un peu gore au début. Ouais, ça, c'est quand même vrai, mais c'est le seul moment. C'est vrai. Euh, Babadook. Oui. Ça, c'est fantastique. Euh, Hereditary. Hereditary Metamorphosis, c'est des classiques, tout le monde en parle. Bon, mais, dans le podcast, là. Ben, bon, oui. mais on a quand même des atomes crochés à ce niveau-là. Mais moi, c'est ça que j'aime. Mais j ça, c'est toutes des ambiances, c'est ça. C'est atmosphérique. Oui, exactement. Il n'y a pas de jumpscare, c'est lent. Ouais. Mais c'est fucking épeurant, tu sais. Mmh. Ben, t'aimerais Saint-Mort d'abord. OK. C'est vraiment ça. T'as deux scènes vraiment fréquentes. Okay. Puis sinon, le reste, c'est lent, puis ça prend le temps de l'établir. Ah. Mais quand Et tu le tu vas okay, cool. Je vais le noter. Ouais. Tu sais, probablement que si t'as grandi, moi, j'ai pas grandi avec des slashers, mettons. Tu sais, okay. comme si t'as grandi en écoutant Halloween, pis ouais. des choses comme ça, t'aimes les slashers ouais. probablement plus. Moi, j'ai pas grandi avec ça, puis j'ai jamais développé, mettons, une affection pour ouais. ce type de film-là. Mon premier film d'horreur, c'était Splice. Qui est un film canadien de genre, c'est des scientifiques qui s'amusent à mélanger de l'ADN humain avec d'autres animaux. Mais ça, c'est récent, non C'est 2007. <laughs> oh, oui, c'est vrai. C'est le double de mon âge. Non, non, je mais c'est vrai. <laughs> hey, vrai. Hey, je m'excuse, mais j'étais hum. comme, voyons, ouais, plein, ouais, ça fait ça. pas si longtemps. <laughs> mais. Euh... C'est ça, mais moi, j'ai commencé avec ça, parce j'adore encore les Creature Features. Oh. Moi, j'ai un gros péché mignon pour les films de requins, là. Je ah trouve oui? ça tellement stupide, je suis comme, ah donnez-moi oui? en plus, s'il ah, vous plaît. c'est cool, ouais, ouais. cool, Genre là, j'ai vu qu'il y a un deuxième, 47 Meters Down, il y en a un okay. deux. Puis je suis comme, là, je vais regarder ça ce okay. soir, là, ça va ah, être ça. C'est nice, quand même. Ouais. Je suis quand même hype, j'aime ça. J'ai aimé mon deuxième film d'horreur, le film d'horreur que j'ai ouais. regardé de plein gré, premièrement, parce que Spice, je sais savais même pas que c'était un film d'horreur quand je l'ai regardé en premier, ouais. avec ma mère en plus. C'est à mi-chemin entre un film de science-fiction. Oui puis de l'horreur on va dire. C'est ça parce que c'est gore quand même beaucoup puis mm -hmm. ça fait peur par bout là, pour moi oui, mais c'était massacre à tronçonneuse le remake de, de le remake de... OK ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, avec euh... je me pas plus c'est ouais. ça. Qui est pas mauvais nécessairement là, mais qui est pas incroyable. C'est un slasher, c'est ouais. ça. Ouais. Fait que t'es moins slasher, t'es plus ouais. dans ouais. le paranormal justement de tes films d'horreur. Ouais, exact, c'est ça, j'en mange puis c'est drôle parce que ma blonde aime pas vraiment les films d'horreur. OK. Hein. Fait que moi là c'est vraiment mon affaire. Ouais. Tu sais, genre, mettons, quand ma blonde n'est pas là un soir puis que j'ai le temps de me taper mmh. un film, c'est sûr à 99% que j'écoute un film d'horreur parce que c'est les films qui me font triper dans la vie le ouais. plus. Euh, tu sais, de temps en temps, je vais me taper un film d'action comme John Wick ou des enfants de même, mmh. mais sinon, les films d'horreur, c'est tout le temps ça que, que j'écoute. J'en mange vraiment. J'adore ça, ça aussi. Ça déstige à une expérience que tu peux pas expliquer? Toi. Ben, tu sais. Non. Non, c'est ça. Non. C'est plate, hein? Ben, c'est correct. Ben, je m'attendais à rien de moins, surtout qu'on a, a parlé justement des types d'hallucinations tantôt. On a parlé de pensée critique, Fait que je suis comme, pour vrai, si ouais. tu me disais oui, j'étais comme, là, ça sort du personnage un peu. Mais ben, en fait, le problème, c'est ouais. que, ben, le problème, c'est pas un problème, mais c'est que des expériences weird, ouais. j'en ai probablement. Mm -hmm. mais on dirait que autant quand j'étais jeune je tripais sur toutes les affaires du genre ah oh, le paranormal les affaires etc c'est comme oh. si, à un moment donné j'ai comme switché à plus j'ai commencé à m'intéresser au contraire à au, au débunkage de ces affaires là puis oui. tout d'un coup j'ai commencé à trouver à plus m'intéresser tant au mettons au paranormal aux affaires de ce genre là mais plus à ah c'est vraiment intéressant les gens qui essaient de de vérifier ces affaires là puis depuis plus, je dirais, ma, ma, depuis, que je, depuis que je suis jeune adulte, ouais. là, d'un coup, c'est plus ça qui m'intéresse. Ouais. Fait que dans un sens, aujourd'hui, si je vis une expérience qui a l'air paranormale ou quelqu'un me raconte des expériences paranormales, je trouve ça autant tripant qu'avant, mais pour des raisons complètement différentes qui est, ah, oh, man. On va essayer de trouver c'est quoi qui se passe pour On vrai. fait des hypothèses pour trouver des hypothèses alternatives. Pas ouais. pour planter à personne puis non, dire c'est cave mais vraiment pour faire, hey, moi, ça me fait tripper. J'ai eu des conversations des heures avec des gens qui ouais. m'ont dit check, j'ai vécu une affaire qui est complètement inexplicable. Je suis comme, oh, man. Mmh. Là, j'ai un défi, là. Ouais. Tu dis que c'est inexplicable. Avec On là, a vraiment, ce adultes, là. <laughs> moi, un que pour adulte Moi, ça me fait vraiment triper ouais. personnellement de comme OK, ça pourrait être quoi? Des, des hypothèses complètement pragmatiques et rationnelles. Mmh. Mmh. Puis après ça, quand tu as fait tout le. le, 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 le quand as fait tout le portrait de ça, chacun peut croire à ce qu'il veut. Oui. Ça, c'est parfait. Mais moi, j'opère sur le principe du rasoir de Cam. Okay. Connais-tu ce principe-là? Non, vas-y. Okay. que Le principe du rasoir, qui est super important dans le monde du, du banking paranormal, le principe du rasoir d'Ocam, c'est que si tu as devant toi deux explications à un phénomène, mmh. puis que tu n'as pas de moyen d'avoir, de savoir avec certitude laquelle des explications est la bonne, tu devrais par défaut choisir l'explication qui demande de présumer... Le moins de choses. Okay. Ça a l'air super abstrait ce que je vais te dire, là, mm -hmm. mais je vais te donner un exemple. Okay? Quelqu'un dit il y a un fantôme dans la maison, euh, les portes ferment tout seuls, euh, il y a des bruits bizarres, euh, puis à un moment donné, euh, je ne sais pas, il y a une tasse qui, est, qui a cassé spontanément. Ouais. Okay, bon. C'est sûr que tu pourrais dire bon, ok, euh, ça pourrait être un esprit, ça pourrait être un, un poltergeist, porter ouais. ça, ça pourrait être un esprit frappeur qui fait mm -hmm. toutes sortes d'affaires, puis non, non, non. Bon, évidemment, ça pourrait aussi être un courant d'air qui a fait fermer les portes. Les bruits, c'est parce qu'une y une vieille maison qui travaille, puis la, 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 la tasse de porcelaine, c'est il y, y a des phénomènes qui ont été rapportés dans certains cas où on sait que la, la, la porcelaine peut éclater sous, ouais. euh, dans certaines circonstances. Bon. Je ne peux pas être sûr de c'est quoi, là, je veux dire, <coughs> tu sais, dans, dans l'absolu, je veux dire, je n'ai aucun moyen, moi, de démontrer c'est ça. Mais laquelle des deux explications me demande de présumer le moins de choses? Si je choisis l'explication si des, de des des, mm -hmm. des courants d'air, je j'ai pas besoin de présumer de rien. Parce que c'est tous des phénomènes qu'on connaît. Ouais. Des courants d'air, ça ferme des portes. Mm -hmm. Une maison, ça travaille, ça fait des bruits, euh, des, des objets qui cassent. Ouais. Je pas besoin de présumer de rien. Tu sais. C'est tous des phénomènes connus, et etc. Si par contre, je veux dire que c'est un fantôme, ben, tu présumes qu'il y a une vie après la mort. Je présume qu'il y a une vie après moi. la mort. Je présume qu'il a aussi certaines formes d'énergie qui violent toutes les lois de la thermodynamique qui mmh. existent en physique. Euh, je présume qu'à travers toutes les expériences qui ont été faites dans des, dans des accélérateurs de particules, mmh. on n'a jamais vu aucune de ces énergies-là. Donc, il y a eu un esti de gros fuck-up chez tous les scientifiques qui travaillent dans ces domaines-là. Il faut que tu présumes de bien des affaires. Il ouais. faut que tu présumes aussi que les gens qui vivent après la mort... Sont capables d'avoir un impact sur le monde réel. Mmh, parce que de quoi. Tangible surtout. Là. Ben oui, parce que de quoi, à, à la vie après la mort, à la limite, moi je suis comme fine, mais là t'es comme ouais, mais les esprits, ils peuvent euh, fermer une porte. C'est comme ok, ben s'il est capable de fermer une porte, ça veut dire qu'il y a quelque chose de matériel là-dedans. Ouais. Puis si c'est matériel, ça veut dire. Ou, 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 ou même que c'est une forme d'énergie, mais ben, ça se mesure. Mmh. Si c'est un impact sur le monde réel, là t'es obligé de présumer de bien les affaires, tu sais. Donc en théorie, ça, si t'appliques. Si tu souscris au rasoir de Cam, parce que c'est libre à chacun, mais si tu souscris au, au, au rasoir de Cam, ben, tu te tranches vers la théorie qui te demande de présumer de rien. Qui est ben, toutes ces choses-là, <laughs> de portes qui ferment, des courants d'air, j'ai pas besoin de présumer de rien. Donc, c'est la théorie que j'accepte. C'est l'explication que j'accepte. C'est malade, je capote. C'est vraiment cool. C'est souvent utilisé, là, ouais. euh, on appelle ça aussi le principe de parcimonie. C'est okay. beaucoup utilisé dans, dans la Principe de parcimonie. Ça, j'ai entendu parler plus que le rasoir de cam. As-tu vu le film Contact? Oui. As-tu un bon souvenir de ce film-là? Non. Okay. C'est un de mes films préférés de tous les ouais. temps. C'est un film un peu de science-fiction, etc. Mmh. Puis la fille, à un moment donné, elle fait un voyage vers. Elle passe dans un vortex spatio-temporel, puis elle s'en va dans une autre galaxie okay. pour oui, rencontrer oui, oui. un extraterrestre. Mais à la fin du film, c'est ce le génie du film Contact, c'est que tu ne sais pas si c'est arrivé pour de vrai. Okay. Okay? Ça pourrait être une hallucination qu'elle a eue, ou ça pourrait être arrivé pour de vrai. Comme dans The Arrival, un peu. Euh, ben Arrival, je ne m'en souviens pas. Oui, ouais. il y avait tout ça dans le ben, rêve. À enfin, tu réalises que c'est peut-être une histoire ou pas. genre c'est un gros pas ouais. Je m'en souviens pas tant que ça. C'est un gros rêve de comme quoi, genre la ouais. linguistique, c'est c'est ce qui va sauver l'humanité. Ok, bien ça se pourrait. Fait que ça, ça, pourrait ouais. être un ce n'était qu'un rêve, en ouais. théorie, dans le contact. Puis mm -hmm. euh, Puis justement, là, il y a comme un gros procès. Parce que ça, le, son voyage, ça a coûté des milliards de dollars. puis là, il y a un procès, puis dans le procès, il invoque le principe de parcimonie, le okay. rapport de cam en disant Check. C'est quoi qui te demande de présumer le moins d'affaires okay. Tu es parti, puis tu as fait un voyage dans un vortex spatio-temporel, ou que dans le fond, il y a eu comme un, un dérèglement sur l'appareil, que tu as eu une perte de conscience, pis tout ça, puis elle-même, la, la scientifique, est obligée d'accepter l'hypothèse wow. du principe de parcimonie qui va contre toutes ses valeurs. Là. Ça me fait tripper de parler fou, de ça, ça mais en fait hein? <laughs> je sais pas si c'est intéressant non, ou plate mais, mais super moi, moi, moi c'est le genre d'affaire qui me fait tripper oui, le monde qui, qui clique sa vidéo c'est pour ça entendre parler de drogue et de surnaturel. Oh, good mais ceci étant dit moi je juge absolument pas les gens qui ont des croyances quelqu'un qui croit aux fantômes je suis comme tu as le droit de croire à ça moi ouais. j'ai aucun problème avec la croyance par contre moi j'aime ça qu'on se donne le... la possibilité dans la vie d'avoir quand même une euh... un scepticisme ben une discussion rationnelle là-dessus oui. tu sais dans le sens où moi, je respecte la croyance de quelqu'un, mais par contre, si la personne est, est intéressée par ça, mm -hmm. moi je vais comme décortiquer au maximum toute son affaire. Ouais. Parce que je trouve ça intellectuellement stimulant. Oui, sais, 100%. Si la personne, ça l'intéresse. Ouais. Puis c'est pas. Je trouve ça dommage parce que je trouve que. Là, ça va, on dirait que ça va faire un lien avec ce qu'on discutait au début du balado, mais je trouve que de plus en plus dans la société, un des gros problèmes, c'est qu'on n'est plus capable d'avoir ce genre d'échange-là où. Mm -hmm on a des croyances ou des convictions vraiment différentes, mais on est quand même capable d'en débattre ouais. puis d'être pas moins bons amis à la non, fin. c'est ça. Faut dire que le monde essaie de se on dirait. Ouais. ouais. Ou, ou encore, si tu, si tu si tu poses des questions sur des choses, les gens le voient comme des attaques personnelles. Ouais. Euh, ils vont dire « Tu me juges dans mes croyances? Ouais. » Ou etc. Ou juste mettre quelque chose ouais. en doute, ça se peut aussi dans la vie. Là. Ben, ça se peut puis c'est sain. Ouais. C'est sain de faire ça. Puis c'est pas la même chose que de juger, tu sais donc moi je trouve que ce genre d'exercice là moi je trouve que c'est important de le faire ouais. de s'exposer à des points de vue qui sont différents des nôtres d'accepter peut-être d'autres explications etc à peine de faire hey c'est intéressant vous regardez Tant ça que en fait ça tête. a pas d'impact ou de danger là let's go Ben, tu sais moi c'est ça je veux de dire ouais. c'est vraiment moi je crois fondamentalement que chacun est libre de mmh. croire à ce qu'il veut tu sais puis que de, de de d'émettre de, 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 certains doutes ou certains bémols par rapport à ça, ça devrait pas être vu comme un jugement ou, euh, ou comme je rejette ta croyance, comme non, non, pas, pas en tout. c'est juste parce que dans la vie, là, en discutant, c'est comme ça qu'on qu comprend mieux nos réalités respectives. T'sais. Ouais, 100%. Tu as amené de la littérature. Je <laughs> suis le premier invité qui amène des suggestions le de lecture. Tu es le premier. C'est vraiment bizarre. Ouais. Moi, personnellement, j'invite des invités qui sont auteurs pour faire les suggestions de, ah oui? de la lecture à mes spectateurs. Moi, ah, ben j'ai aimé ce livre-là. On, on va parler avec l'auteur, fait. Que... Tu sais, comme je disais tantôt, moi, là, je, je, ouais. moi je, je, je lis tout le temps. En fait, je lis deux choses dans la vie. Mmh. Je lis des romans d'horreur. Ouais. <laughs> Est-ce que c'est surprenant? Puis aussi euh, de, la, de la vulgarisation scientifique. T'sais. Ok. Fait que, euh, puis vu que je m'intéresse aux trucs de paranormal puis tout ça, j'ai quelques livres de paranormal ouais. chez nous puis de sujets de vulgarisation là-dessus. Fait que j'en ai amené deux que je considère okay. être les deux meilleurs. Et hey, où la, la caméra es -tu là? est tu là? Pour toi. Les ouais. gens en citer deux. Ok. Euh, bon, pour ceux qui s'intéressent vraiment au, à toutes les questions qui entourent le paranormal, ce livre-là ici qui s'appelle euh, Paranormality, là, je m'excuse, celui-là c'est la version en anglais, mais elle existe en français. Là. Mm -hmm. Je me souviens pas comment ça s'appelle, je pense que c'est Paranormalité. Okay. Euh, c'est écrit par Richard Wiseman, qui est un chercheur britannique en psychologie. Euh, c'est extraordinaire, c'est probablement le meilleur livre qui a jamais été écrit de tous les temps sur tout ce qui concerne le paranormal. Okay. Il y a des en fait, il parle de... Je, je, je vais donner des exemples. Là, tout ce qui est euh, des... Euh, mettons, la télépathie, euh, la voyance, euh, les voyages astro, les expériences extracorporelles. Euh, bon, évidemment, tout ce qui est euh, fantôme surnaturel, ça parle de tout ça. Mm -hmm. Il décrit des expériences. Lui, il a fait énormément de recherches là-dessus. Il a fait des expériences. Tu peux même scanner là, à des endroits. Il y a comme... Euh, il, je sais pas s'il y a des... Code QR, là, mais en tout cas, oui, il y a, ah, des, y a code, des codes QR. Il y a des codes QR que tu scannes, puis ça s'en va sur une vidéo de l'expérience en tant que telle qu'il a faite pour tester des affaires. Wow. C'est complètement fou, ce livre-là, honnêtement. Genre, c'est comme C'est la meilleure médiographie qu'il y a pas. En fait, ça me donne envie de le relire une deuxième fois, tellement <laughs> que c'est bon, sérieusement. C'est complètement fou, ce livre-là. Bon, allez, mets le pignon, on va se le lire en même temps, puis on va se le partager. <laughs> ah non, mais c'est malade. Honnêtement, là, lisez ça, c'est complètement mental. Wow. Euh. Puis le deuxième livre, c'est spécifiquement sur les fantômes. Parce que souvent, je trouve que c'est dommage parce qu'on entend souvent que il oh, n'y a pas, de, y a pas de, de, de recherche rigoureuse qui se fait sur les fantômes. Ouais. C'est plus des c'est plus des chasseurs de paranormal qui font ça un peu mm -hmm. n'importe comment. Ce n'est pas vrai. Okay? Euh, ce gars-là, en fait, qui a écrit ce livre-là, qui est euh, Joe Nicholl, ouais. hein, c'est probablement mm -hmm. le chasseur de fantômes le moins connu, okay. mais le plus hot. Ouais. Lui, là, il a participé à, toute, à, toute, à la plupart des grandes enquêtes. Okay. De paranormal. Là. Wow! Tu sais, genre Amityville, puis des enfants ouais. normal, là, il a participé activement à ça lui-même. Okay. Tu sais, ouais. C'est un vieux de la vieille, là. il y a comme 70. Bien, clairement, ans, parce qu'Amityville, ça date pas d'hier. Mais... Était... Honnêtement, là, tu... écoute, ce livre-là, -là, c'est une collection de toutes les enquêtes sur des fantômes ou le euh, de paranormal auquel il a participé. Que les Warren, genre même, ouais, les même, Warren de, de conjuring, là. Ouais. Ah ben, il les connaît personnellement, là. T'sais. Ok. Puis d'ailleurs, c'est des charlatans, là. C'est ouais, des, oui, ouais, oui. des fraudeurs okay. connus. Je t'envoyer une coupe de liens YouTube, là. Je pense qu'on trie en à à ce moment-là. Fact, tu Puis encore là, quelqu'un pourrait dire, non, non, mais je crois quand même aux affaires démoniaques, fin. Ouais. Mais on peut quand même s'entendre que les Warrens et des charlatans. Puis lui. Ce qui est vraiment intéressant de ce gars-là, c'est que sa démarche, c'est une démarche de, de, de pensée critique, là, mais lui, son, son dicton, c'est... Euh, je vais essayer de le citer comme faux, il n'est pas en air du lit, mais avant d'essayer de démontrer si quelque chose s'est produit, euh, pose-toi la question, est-ce que ça s'est vraiment produit? Mm -hmm. Ce qu'il veut dire par là, c'est que lui, dans la quasi-totalité des enquêtes qu'il a faites d'Histoire de fantômes, en requestionnant les témoins, il s'est rendu compte que ce qui est proposé n'est jamais arrivé. OK. Tu je te donne un exemple. Dans telle maison, là, des fois, là, euh, toutes les portes s'ouvrent d'un seul coup, puis il y a un bruit terrible, OK? Puis okay. là, la maison a une réputation d'être hantée, okay? Lui, il s'en va sur le terrain, il questionne des gens qui ont habité dans cette maison-là, puis tout le monde est comme « Je jamais dit ça. » Puis finalement, il est jamais capable est de trouver... C'est la grosse déformation de, genre, téléphone arabe, un peu, là. Totalement inventé, là. Wow. Genre, les gens n'ont jamais dit ça. OK. Puis ça, c'est la quasi-totalité de ses enquêtes, tu Y'a quelqu'un? Un... C'est-tu un fantôme ou. Je sais pas, ok, on. Ça, ça serait très drôle que oui. Ah, c'est fucked up, pareil, ouais, qu'il y a, a comme un. J'ai pas... peur. Yo, pas de tranquillité, je serais pas un podcast en ce moment. Pas de trucs très. Moi, c'est ça, on a deux rendez-vous, bah, à Kavax, c'est pas ça que ça fait. Ouais, je m'excuse, on commence à être trop long. Oui, on, on est vraiment dans nos temps, c'est parfait. Ok. Mais, euh. Bref, c'est ça. Fait que. Il fait une recherche historique ouais. pour voir si ça s'est vraiment produit. Il re-questionne les témoins. Euh, souvent, il y a eu de la fraude. Souvent, c'est des humains qui ont comme fait ça pour se faire de l'argent. Amityville, c'est ça. Là. Amityville, ouais. c'est une histoire de quelqu'un qui a voulu se faire de la célébrité puis de l'argent ben, en, en disant que c'était une maison hantée. Écoute, c'est sûr que pour quelqu'un qui tripe sur les histoires de paranormal, en lisant ça, tu tombes. Il y a de la job. Ben, il y a de la job, mais il y a aussi le fait que tu as des grosses déceptions. Là. Parce ouais. qu'il y a vraiment des histoires classiques que tu fais oh shit. Mais je pense vraiment. que si tu t'intéresses justement au debunking, puis il faut que tu sois prêt à accepter des coupe de déception sur des histoires. Ah, oui. Puis il y a des histoires vraiment fuckées là-dedans comme des histoires de ch... Tu sais, il y a même des animaux fantômes qui existent, ouais. là, genre des, des... Le cheval le fantôme de nanana puis tout Ou ça. C'est comme le, le monde qui voit un chien avant de mourir, genre c'est comme un chien qui t'accompagne vers l'afterlife ouais. et tout. Il ouais. y a plein d'affaires de même. Okay. Puis à, à la fin, il parle beaucoup de tous les kits, les kits technologiques des chasseurs de fantômes qui disent je me promène avec un détecteur de ci ouais. un détecteur de ça les caméras qu'ils utilisent fait qu analysent tout l'équipement aussi tu okay. c'est tellement bon honnêtement wow. ça se lit comme un roman alors que c'est vraiment juste quasiment une biographie de sa vie c'est génial ça fait que euh, ces deux livres là honnêtement The science of ghosts paranormality celui-là il est en français il existe celui-là je suis pas sûr mais euh, c'est écœurant allez ces chez vos libraires Oui, vraiment vraiment wow. ben merci beaucoup pour toutes pour la, <laughs> le, le beau deux heures qu'on qu a vécu. On a passé deux heures. Mais, non, non. Non, ben, pas tant que ça. Parce qu on a commencé à Rec. ça fait moins, moins de deux heures, mais ça fait un bout de congelance. avant on a eu une pré-entrevue très courte. là. Mais de tout ça, merci beaucoup. Ça a été vraiment un épisode incroyable. Quand j'avais ben... sombre en tête dans mon concept au début, tu étais été dans les premières invités que Ah, ben là, t'es dans mes fins. En plus, pis comme, Ben, c'est ça. En plus, je t'ai contacté en avril, ouais. au début, sur ouais. ta page Instagram. Ouais. Puis finalement, c'est là que ça se passe. Puis je suis ah, tellement ben content. Là. Là. Ben moi aussi. C'est un épisode modèle que j'avais en tête depuis longtemps. Vraiment honnêtement, c'est super intéressant ton concept. Merci pis, beaucoup. Euh, Puis euh, écoute, j'ai vu que tu travailles fort là-dessus. Puis euh, merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait vraiment ben, plaisir. Merci à toi pour le temps, surtout pour la générosité. Puis ouais. où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu euh, si les gens, veulent, la plupart de ce que je fais, euh, les gens peuvent aller sur lepharmachien.com. Ouais. Si vous voulez pas deviner là, que ça se passe sur le blog. Euh, ben sur mon site, là, souvent, ouais. j'ai pas mal toutes mes. Parce que mes projets maintenant sont comme par dans toutes sortes de, de plateformes ouais fait que maintenant sur le pharmacien je, je, je mets des liens vers toutes là fait que c'est okay. plus simple t'sais. cool parfait allez voir ça puis euh, merci on a hâte à la troisième saison de dérive on continue le projet de série puis Super. let's go toutes <laughs> merci beaucoup